Salut les pépères, salut les mères, j'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour euh, ce qui sera peut-être le dernier tribunal des bureaux euh, de l'année, mais peut-être que j'en ferai un euh, entre Noël et le jour de l'an, euh, histoire deux parce que sinon je vais m'ennuyer. Ce soir, édition All Stars, euh, on m'a souvent accusé, on m'a souvent accusé de faire de la justice de classe, de dire euh, oui mais tu vois là sur les bureaux où il y a plein d'argent dessus, et eh ben à chaque fois euh, tu les relaxes, c'est complètement faux. C'est complètement faux. La justice bureau est complètement indépendante de ce genre de considération. Et je compte bien vous le prouver ce soir. Je vais tout de suite remercier Huge Lucas et Ketzer de cet abonné avec Prime. Un pouce sous, euh, les frérots. Un pouce sous aussi à MacBeak273. À l'écran, vous voyez ce qui doit être euh, le... le maître étalon de la bureau Le bureau parfait, c'est évidemment le mien. Qu'est-ce qu'il est beau. Il est parfait. Il y a tout. Regardez l'harmonie des couleurs. Profitez-en bien parce que. Vous n'allez pas en voir des beaux bureaux comme ça euh, durant, euh, durant cette session du tribunal des bureaux. Euh, vous allez voir que malheureusement, on peut avoir le talent, on peut avoir l'argent, on peut avoir la célébrité et euh, pourtant travailler sur un énorme euh, bureau de merde. Alors, euh, on va y aller tout de suite. Alors, ce que je fais, j'affiche le bureau, je ne vous dis pas à qui est le bureau. Et c'est à vous de deviner, euh, on va voir si vous trouvez que le bureau correspond à la personnalité de la personne. Vous allez voir qu'en général, oui. Les personnes profondément malsaines ont des bureaux malsains. Et puis c'est tout, parce qu'il n'y aura quasiment que des, que des personnalités malsaines euh, ce soir. Allez, on y va. Alors... Ah, oh, ça se trouve. Est-ce que ça se trouve Est-ce qu'il y a des indices pour le trouver ah, je sais pas. C'est pas gotose. C'est un streamer, oui, bien sûr. Merci Styriafer pour le Prime. Un pouce sous, frérot Fr, merci pour le soutien. Effectivement, Purple Drain a raison. Il y avait aussi Chino457 qui avait raison. C'est le bureau de moment Crush. C'est le bureau de, de JB Show. Alors, on a plein de vues. Il a été très cool. Il nous a fait plein de vues de son bureau. Euh, il nous a flouté des trucs ici. Regardez, regardez comme il s'est fait chier. Il nous a rajouté des petits, euh, des petits, des petits hagbou à la place du, à la place des gens. Ça, je suppose que c'est, euh, je sais pas, sa famille. Je, je ne sais pas. Je sais même pas si. Est-ce qu'un streamer a une famille je pense pas. Je pense qu'un streamer, est... streamer est forcément euh, marié à Twitch. Alors, c'est le bureau de JB Show. Euh, merci à Icon pour le Prime. Un pouce au euh, frère Icon. Euh, si vous connaissez pas JB Show, s'il y a un modo qui peut mettre l'adresse le... Le... Du... de la chaîne euh, Twitch. Euh, JB Show. Alors, qu'est-ce qu que je peux vous dire de JB Show JB Show, c'est d'abord un physique. C'est d'abord des cheveux. Des cheveux absolument extraordinaires. Euh, c'est quelqu'un que j'ai rencontré récemment en vrai. Euh, et je me suis dit non mais vous savez euh, sur ces sur ces streams il a l'air bien comme ça il fait genre oui je suis JB chaud je suis JB chaud mais en fait ça doit, être un, il, ça doit être une petite chose toute recroquevillée toute recroulie comme ça euh, sur euh, sur elle-même en fait non pas du tout non il fait un mètre quatre il rayonne dans toute la pièce euh, c'est euh, voilà c'est triste c'est triste donc il va payer il va payer même si j'ai une certaine affection pour lui il va payer alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ce bureau T'as déjà quatre écrans. Hein. Ah, bah oui, non, mais vous savez, non, mais c'est ça les streamers. Vous savez, un stream, c est, c est, vous, êtes dans la, vous êtes dans la matrice. Hein. C'est Minority Report. Hein. Quand on stream sur Twitch, on est là... Moi, personnellement, là, j'ai 16 écrans, j'ai un mur d'écran. C'est absolument essentiel. Donc, il y a son petit moniteur de montage vidéo. Comment, comment il fait ça okay, Bon, c'est un petit à pourri, pourquoi pas. Euh, petit moniteur vertical sur la gauche, très bien. Euh, ok. Là, ça doit être ces trucs. <laughs> là, c'est notre conversation. C'est notre conversation sur, sur Twitter. Et puis là, bon, il a le moniteur qui sert à rien. Mais ça, c'est le moniteur qu'il met juste pour le flex. C'est le moniteur qui dit, euh, moi, je suis streamer, donc euh, vous les gueux, vous avez trois moniteurs, mais moi, le streamer, j'en ai quatre. C'est ainsi. Euh, il a deux souris. Ok. Il a un petit carnet. No ah, ça, c'est bien. Alors ça, ça me fait plaisir. Ça, je ne savais pas que Jean-Baptiste Chaud, c'était un, à... un homme à carnet de notes. Mais il... regardez, il a mis des petits. Euh... Il y a les petits, euh... petits marque-pages et tout. Et puis regardez, ça a l'air d'être bien. Il y a une règle. Ça, c'est un bon point. Ça, c'est un bon point. C'est toujours bien d'avoir des carnets de notes sur soi. Euh, il a un stream deck, mais même pas Excel. Mais, mais quel gros casu. Euh, voilà, il a le stream deck le plus petit possible, vraiment. Alors que probablement il brasse des millions entre YouTube, je crois que YouTube il me disait c'est 1 500 000 euros par mois, Twitch c'est 2, 3, 4 millions. Alors après il a des frères, il a une grosse équipe, 70 personnes comme tous les streamers. Mais euh, n'empêche qu'il aurait pu se payer hein, il aurait pu se payer un, un stream deck oh, un, un peu plus gros. Il a plein de carnets de notes. Oh, il en a un deuxième ici, avec des marques tapage. Oh là oh là 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 là. Ah oui, il est très très note, hein. ça c'est bien. Alors la tapis de souris est dégueulasse, me dit-on. Le tapis de souris est dégueulasse. Mais à la décharge de JB Chaud, et, et, et je ne dis pas ça du tout parce que c'est mon croche, euh, c'est difficile à laver quand même les tapis de souris. C'est vrai que c'est difficile à laver. Le mien, parfois, n'est pas impeccable. Bon, le tapis de souris, c'est pas ça. Les claviers. Non, mais les claviers. Non mais s'il vous plaît les claviers mais qu'est-ce que c'est que ça c'est du Microsoft à 20 euros ça c'est un clavier Acer je ne savais même pas que ça existait c'est dégueulasse c'est même pas mécanique c'est même pas rétro éclairé ah non ça c'est pas possible là je suis fâché je, je le dis j'y baisse, je suis fâché je suis fâché euh, ça je sais ce que c'est c'est un truc à modio pour brancher les pour brancher les micros faire du mix des trucs comme ça ok il a des petites enceintes Logitech qui sont elles sont pas bien placées elles sont pas bien placées, euh, ces, euh, ces enceintes, parce que là, évidemment, je vous, fais, je vous fais le schéma. Hein, mais là, si on trace les ondes sonores, on voit qu'ici, les ondes sonores sont arrêtées par le côté, par le haut du moniteur. Et donc, on n'a pas une stéréo parfaite. Ça, vaut, ça lui vaudra une petite condamnation. Euh, il a un micro-somme toute classique. Il a là alors, un X56 ou un X52. Bon. Pourquoi pas? Mais euh, bon, c'est ah, c'est pas top quoi. Quand on brasse des milliards comme lui, on peut s'acheter un truc un peu, un peu plus sympa. Alors étonnamment, il y a du cable management. Parce que JBS, on le voit sur ses streams, il est là toujours volubile, dans la générosité, dans la bonne humeur. On se dit c'est quelqu'un qui a des câbles, mais partout ça doit être dégueulasse, ça doit être dégouliner à le bureau. Et pas du tout. Pas du tout, regardez, c'est bien fait. Là, regardez, il y a une petite, une petite lanière de, de, de jonction des câbles, une, une LJC, comme on dit, c'est le terme technique, lanière de jonction des câbles. Euh, ok, Et donc il a deux PC, hein? Ah, il a un PC ici, un PC là, c'est pour ça qu'il y a deux claviers, deux souris. Mais comme le faisait remarquer quelqu'un sur le chat, quand on a deux PC, on n'a pas deux claviers et deux souris. Parce que c'est plus 1985. On a euh, un soft qui permet d'utiliser les deux en même temps sur chaque PC. Des trucs comme Synergie ou euh, je ne sais pas, euh, je ne sais pas ce que vous pouvez. Euh, je suis sûr que vous avez plein d'autres exemples sur le, sur le stream, il y en a plein qui euh, il y a plein de soft qui permettent de faire ça. Euh, ok, on va regarder d'autres vues. Voilà. Ben oui. Oui, alors il a un siège racing. Pourquoi Parce qu'en fait, vous ne le savez pas, mais euh, il, il est, il, il avance à, à 150 km heure sur les autoroutes de l'information. Donc, quand il stream, en fait, il, a, il, se prend des jets, euh, il se prend des jets latéraux, évidemment, il va à toute vitesse. Et donc, il est obligé d'avoir euh, ben voilà, des, des, petits, des petits supports ici pour pas tomber de la voiture pendant qu'il stream. Et puis là, évidemment, il y a ce qu'on appelle des aérateurs d'omoplate qui sont euh, extrêmement importants. Ouh là là, mais regardez-moi cette organisation euh, papérale, Papierale. il a même un petit... Euh, oh, regardez comme il est organisé, il a des mois avec des post-it. Oh. Ah, là il a du canard PC, ça c'est bien. Là il a ses factures, bah oui il faut toujours les factures, juste à côté du bureau c'est essentiel, on le sait. Ok, bon le siège, euh, voilà, le siège, euh, bon, c'est ainsi. Euh, ça c'est une autre vue, voilà, là on a du détail, les écrans sont cracras, regardez l'écran inutile, oh, oh c'est cracra. c'est cracra là, là, là il y a des traces de doigts, là, là il y a un truc on sait pas ce que c'est, là il y a des, du smudge, là ici c'est pas beau, là, alors j'ai carrément l'impression que là c'est défoncé en fait, peut-être qu'il a un jour il a mis un coup de poing, il s'est dit je fais pas assez de viewers, Et boom, il, a, il a pété son écran, ça arrive souvent aux streamers hein, comme ça d'être très violent, Ok, le cable management est quand même pas mal. Le cable management est bien. C'est euh, JBS, euh, notre JRM. Euh, notre le cable management est bien. Après, le bureau en lui-même, moi, je ne suis pas fan. Je me demande bien s'il n'y a pas des problèmes genoutales ici. Parce qu'alors là, par exemple, je vous fais un schéma. Je vais vous dessiner JBS. Bon, alors, il est très grand. Hein. Donc, on va le mettre comme ça. On reconnaît évidemment ses cheveux un peu en brosse. Oh, je... <laughs> C'est un JBS approximatif. Mais là, regardez, Donc, vous êtes JBS, vous avez les mains sur le clavier comme ça, vous êtes en train de faire votre stream, et vous dites un truc du genre. Euh... Je ne sais pas qu'est-ce qu'il dit JBS. Euh... Euh, youpi. Voilà, bon. En général, il dit Youpi. Voilà. Il dit Youpi. Mais là, qu'est-ce qu'il fait En disant ans, Youpi. Il tend un peu sa jambe. Alors là, il a une première jambe qui est comme ça. On voit avec son pied, il a probablement des nikers, Mais là, son autre jambe, quand elle se tend, clac ici. Et là, attendez, je vous mets de la couleur. Là, regardez. Et oui, là, il y a douleur. Il <laughs> y a douleur. Donc forcément, il y a problème genou tal. Donc c'est bien, euh, de... bien beau de, c'est bien beau de d'avoir un, un, un bureau tout propre. Mais c'est dommage d'avoir du, c'est dommage d'avoir des obstacles. Parce que là, je peux vous dire qu'il s'est pété le tibia plus d'une fois là-dessus. Euh, Qu'est-ce qu'on... Est... Il... Je l'ai assez réussi. Alors, je peux vous le dire parce que moi, je l'ai vu en vrai. J'ai bien chopé les proportions de JBS. C'est exactement comme ça. C'est la perfection. Euh, ici, il a un petit sinologie. Ok. Le le parquet est bien. Le papier peint n'est pas clean. Hein là, 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 ça c'est un peu, c'est un peu crado. Euh, là, il y a un petit peu de bazar. Il y a ce qu'on la, la fameuse zone administrative hein, avec les classeurs administratifs. On ne sait pas pourquoi les gens ont ça, mais ils ont ça. Je euh, vois, je vois un, je vois un... je vois un truc qui me plaît pas. Est-ce qu'on peut avoir une vue Voilà. Alors ça, voilà. La ZAB, voilà. La zone, euh, la zone administrative à, à bordel. Merci euh, le craquido pour le prime. un pouce euh, frère frérot euh, Là le non. Non, c'est pas possible. C'est pas possible parce que ben, les stylos sont pas assortis. Les stylos sont pas assortis. Là, il y a une agrafeuse non plus. Euh, Qu'est-ce qu'il lit Synonyme. Ah, il a un dictionnaire des synonymes. Est... On est d'accord, hein, c'est bien ça. Hein, synonyme. Là, je lis Sino, N-Y-M-S. Oui, c'est ça. Il a un dictionnaire des synonymes. Qui n'en a pas ben Moi, euh, Vénec. Qui, 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 qui utilise un dictionnaire des synonymes Moi, je pioche dans mon riche vocabulaire. J'imagine JB Chaud JB qui est dans un, dans un stream. Alors, au lieu de dire ce jeu est génial, il a putain, génial, j'ai déjà utilisé vite, vite mon dictionnaire de synonymes. Alors, fantastique, fabuleux, merveilleux, extraordinaire. Ce jeu est extraordinaire. Ça casse le rythme du stream, forcément. Mauvaise idée JBS. Euh, J'aime bien le bois du bureau, qui est très cool. De toute façon, d'une manière générale, le bureau est vachement bien parce qu'il est très très large. Euh, là, si je compte comme ça approximativement, on doit être sur du 200... 200 Peut-être 230 centimètres. Ce qui fait un bureau très bien. Je pense que c'est un truc custom en plus qui s'est fait. Hein. Parce que les... Ou alors, je sais pas, il a joint de bureau, quelque chose comme ça. Euh... Bon. Alors, ça, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est un truc ignoble. Je le sais parce que j'en ai un, mais moi, il est caché derrière. Le... Il est caché à le moniteur. Merci, Jabberwookie, Un pouce sous, euh, merci pour le soutien. Non, t'as pas manqué de bureau, Jabarouki. On vient de commencer il y a, il y a 10 minutes. Ça, c'est un light ring. Et alors, ça, ça vous défonce la rétine. Alors, vous vous mettez ça, en fait, vous allumez ça et puis vous vous mettez ça pour que pour vous soyez mieux éclairé pendant les, pendant les streams. C'est désagréable, mais alors, c'est extraordinairement désagréable. Euh, moi, j'en utilisais un au début, puis après, j'ai mis ça derrière le moniteur, donc là, il est caché, salut. Euh, parce qu'en éclairage direct, je ne supporte pas ça. Mais JBS, vous savez, c'est un vrai pro, il s'en fout. Il se met un light ring comme ça. Ça, son light ring, son modèle, c'est du 6000 watts. Euh, il perdra sûrement la vision d'ici deux ans, mais il s'en fiche. L'essentiel, c'est qu'il y a qu une belle image. Il n'y a, a pas de souci pour lui. Ça fait que tous les streamers ont un rond blanc dans les C'est exactement Dieu vomit. C'est pour ça. Si vous voyez les, les blogueuses beauté, vous savez, et puis vous regardez leurs pupilles, et puis vous voyez un rond blanc. Ben en fait, c'est le reflet du. Alors, c'est d'une part le reflet de leur âme maléfique, et puis d'autre part aussi parfois le reflet de, de, du light ring euh, qui est utilisé. Et ça, en fait, ouais, c'est une saloperie ça pendant les streams. Alors. Ça sera pas une relax. Ça ne peut pas être une relax, euh, bien sûr, à cause de ça. Hein. Voilà. Bon, ça c'est la relax, c'est pas possible. Et puis, je dois vous avouer que si la structure en elle-même du bureau me plaît, j'aime bien la largeur, euh, j'aime bien le bois, j'aime bien... Bon, les quatre, pour plus, les quatre moniteurs sont pas du tout alignés. Regardez-moi ces angles qu'on a là. Là, on a du, du 4,12 degrés... Ça, c'est insupportable. Là, regardez, ça non plus, c'est pas parfait. Là, il y en a un qui est caché. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Il y aura une condamnation pour alignement. C'est absolument essentiel. Euh, pff, les, 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 les claviers me plaisent pas. Euh, le tapis de souris craquera. C'est dommage parce qu'il y avait du positif. Hein. J'aime bien tout ce qu'il a fait au niveau... Au niveau papeterie, c'est très bien. Voilà, c'est comme ça qu'on pourrait résumer JBS. Au niveau papeterie, c'est bien. Après, tout le reste, euh, bah, je suis pas d'accord. Autocollant sur écran, me signale-t-on. Où ça, des autocollants sur les... Oh Oh Non, mais il a fait pire. C'est un autocollant AMD. Ah non, c'est que ça doit être un Free 5, c'est ça C'est que ça doit être un écran Free 5. Parce que je me suis dit, si ça se trouve, il a pris un autocollant de, son, de la boîte de son CPU et il l'a collé sur l'écran Yama, euh, histoire de... Non, non, il ne il, il l'aurait pas collé quand même. À tous les coups, c'est que ça doit être marqué Free 5. Je pense. Hein. Est-ce que ceux qui ont un MD Free 5 peuvent confirmer que c'est cet autocollant Ouais, c'est Free 5. Le coupe-ongles, ça ne peut pas passer. Où est-ce que tu vois un coupongle Cela dit, euh, moi, le coupongle... Ah oui, je l'avais pas vu. Il est là. En exclusivité, mesdames et messieurs, vous ne pensiez pas voir ça un jour. Le coupongle de Jean-Baptiste Chaud. Et, mais j'ai envie de dire, c'est bien parce que vous savez, il y a une telle starification euh, des, des youtubeurs et des twitchers qu'on qu se dit, ils ne sont pas humains. Eh bien, si, voilà, c'est avec ça, c'est avec ce coupe-ongle que JBS se coupe les ongles <laughs> des pieds. Voilà. <rire> <rire> Vous l'avez su ici en premier, euh, c'est le scoop, ça fait plaisir. Il est humain, il est humain. Quand on le voit, on se dit non, il n'est pas humain, c'est une. Il a été génétiquement créé, mais, enfin, il a été génétiquement modifié, mais si, en fait, il est humain. C'est un, un vrai humain. Bon, qu'est-ce qu'on peut lui mettre à JBS Je fais un petit tour, voir si j'ai pas raté des choses scandaleuses. Oh, le, le tapis de souris Unreal Tournament. Alors, je peux vous dire, celui-là, il date des années 80. Hein. Ah, il y a un petit canard PC ici, corruption. Ça, cet angle-là est propre. Hein. Cet angle-là est super propre. Franchement, c'est rare. Hein. J'ai rarement vu des gens qui, avaient, qui, faisaient, qui faisaient attention à, à regrouper leurs câbles comme ça. Et je vous le dis, ce soir, on ne devrait pas en voir souvent. Mais là, au moins, il fait ça. J'ai pas envie d'être trop sévère pour deux raisons. D'abord, euh, pour le physique, bon, voilà, c est, c est... vous savez, les, les magistrats burologiques, on a souvent une réputation euh, de ne pas avoir de sentiments, mais j'ai des sentiments, et j'y bêchore un physique, et bon, voilà. Euh, le cable management est quand même bien fait. Après, tout le reste, euh, c'est un peu moins bon. Euh, on va lui mettre... Les tours sont bien placés, hein. je suis étonné, il n'y a pas de tour sur le bureau, c'est assez étonnant. On va lui mettre, évidemment, violence sur fauteuil, il n'y a pas de figurine, ça c'est bien. Est-ce qu'on lui met un bordel C'est pas bordélique, c'est pas bordélique. Euh, le cable management, bien non, évidemment, fraude à l'alignement, nous ne reviendrons pas dessus. Peut-être une petite infraction aux normes sanitaires pour les nombreuses taches sur les écrans, ça me paraît pas volé. Euh, tentative de corruption et je vais lui mettre une petite condamnation, euh, coups et blessures sur genou, pour les problèmes d'espace genoutal qu'on a vu tout à l'heure euh, avec, euh, avec, euh, avec le petit dessin. C'est JB Chaud, après. Je ne je... peux pas l'envoyer en prison. Euh... Ce n'est pas possible. La place de cet homme n'est pas en prison. Elle est... Elle est un défilé de mode, mais pas en prison. Pas en prison. Oui, un petit rappel à la loi, euh, un petit coup de propre sur les écrans, euh, un petit coup de plumeau sur le tapis de souris, on change un petit peu les claviers, et puis euh, et puis voilà, ça fera un beau bureau parce que c'est quand même qu'on condamn... On achète un Herman Miller, Aéron, évidemment, hein, parce qu'on ne garde pas le, on garde pas le, on garde pas le ce, 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 ce fauteuil gaming. Alors, le fauteuil gaming, bon. Je sais que ce n'est pas de son fait, voilà, il a tenté, il a tenté de s'expliquer en disant « oui, mais non, le fauteuil gaming et tout ». Bon, il n'empêche que c'est un fauteuil gaming. mais ben non, pas au niouf, pas au niouf, non, pas au niouf, non, mais, mais si on met ça au niouf, euh, tout le monde part au niouf après. Vous savez quoi Il faut en garder un peu sous le pied. Non, parodie de justice, ça me fait mal quand vous dites ça. Pourquoi est-ce que vous dites ça moi, j'ai fait 15 ans d'études biologiques, j'ai fait l'école de la magistrature biologique, et vous, qu'est-ce que vous faites Eh ben vous remettez en doute mon éthique. C'était pas le cas tout ce nu. Ce... Non, non, non. À l'échafaud, mais vous êtes des hyènes. En fait, ce soir, vous n'êtes pas venus voir des jugements, vous êtes venus voir du sang. Le copinage entre élites, dieu, porte-pongus mais faut en garder, oui, faut en... on va en garder un petit peu sous le pied, euh, parce que voilà, là, il est quand même pas dégueu, ce bureau, excusez-moi, c'est, euh... voilà, alors, est-ce que je m'y assirais Avec un petit peu de ménage, un petit peu de plis, on change les claviers, euh, pourquoi pas, regardez, ça, c'est propre, quand même, regardez, vous allez me dire ça au newf, si on met ça au newf, tout le monde part au newf, hein. merci, euh, Sirti, un pouce ouf, frère. merci pour le soutien. Allez, suivant, on fait un gros bousou. Un, un bon, on va lui faire un bousou à JBS. Un gros bousou à Jean-Baptiste Chaud. Euh, si vous ne le connaissez pas, c'est un streamer qui oh, tout le, monde le connaît, mais on ne sait jamais. Streamer qui stream. Qu'est-ce qu'il stream, JBS Il stream un peu tout. Il fait des, il fait des talk shows d'actu où il décortique toute l'actu du... du jeu vidéo. Euh, voilà, c'est vachement bien. C'est euh... très feel-good. C'est vrai qu'en général, euh... autant par exemple quand on regarde Noël Malware, on n'en ressort pas indemne. Autant quand on regarde JB Show, on se dit Ah, oh, ah oh ben voilà oh, et, puis, et puis la journée se passe bien après. Et il fait aussi évidemment beaucoup de vidéos YouTube. Je vous conseille notamment sa très belle vidéo d'analyse sur euh, Cyberpunk. Je crois qu'il avait, c'était Cyberpunk euh, six mois après, ou je ne sais plus combien de temps après, euh, où il avait analysé euh, de manière très posée ce qui lui avait plu, ce qui lui avait pas plu. Et c'était euh, très intéressant. Ça m'avait presque donné envie de réinstaller le jeu, de réinstaller Cyberpunk, parce qu'évidemment, comme tout le monde, j'avais joué 10 heures et puis j'avais arrêté. Et au final, je me suis dit non, je vais encore attendre euh, 3-4 euh, euh, mises à jour. Allez, bureau suivant. Merci Clem d'avoir fait des abos à la commune. Un pouce sous, euh, frérot Clem Touquet, merci pour le soutien. Je regarde ton site d'ailleurs euh, Clem Touquet, hein. j'ai pas trop le temps en ce moment là, parce que bah, c'est beaucoup de boulot, les, les dossiers qui s'empilent au tribunal biologique, tu t'en doutes bien. Allez, suivant Et là, je vous laisse deviner qui c'est. Toujours ces problèmes de tapis de souris. Le fabricant qui sort un tapis de souris euh, insalissable, il fait fortune. Hein. Ouais, c'est Daz, effectivement. C'est Daz, vous avez, vous avez tous trouvé Daz, euh, Daz bah, euh, bah, qui est tout simplement le plus mauvais pilote flat simulator de tout Twitch. Je, Je pense qu'on peut le dire. Euh, voilà. C'est. Euh... Oh, si vous avez regardé ces nombreux Streamflight Simulator où il est en TBM 930 et puis il atterrit sur les pistes et son but c'est de faire le moins de rebond possible parce qu'en fait quand il atterrit c'est une balle de tennis. Euh, J'étais en apoplexie devant ces streams. Là, oh, tu peux pas me faire ça, Das, tu peux pas me faire ça. Et puis il était là, ouais, alors là on va atterrir au oh, gamepad. Au oh, gamepad évidemment. Euh, voilà. Oh, j'ai vu le, le petit. Euh... Le petit émoticône de Daz de Peter Betra, je ne le connaissais pas. Merci Oberwan d'avoir fait des abos. Un pouce ou, frérot. Alors, le père Daz, Patrick Dazovic, de son vrai nom. Ouais, parce qu'en fait, j'ai les fiches d'état civil, j'ai les dossiers, le procureur m'a filé les dossiers, j'ai les fiches d'état civil de tout le monde. Son vrai nom, c'est Patrick Dazovic. C'est bizarre. C'est de, de là que vient son pseudo. Alors, on a deux vues. On a celle-là et on. Ah oui, alors. Il a été honnête. Contrairement à. Certaines personnes que je ne nommerai pas mais qu'on va voir euh, qu'on va voir après. Daz, il a été honnête. Il a dit je t'envoie une, euh, une photo de mon bureau rangé et une photo de mon bureau dans son jus. Alors ça c'est le bureau dans son jus. Effectivement c'est un peu crasseux. Qu'est-ce que c'est ça C'est une shield Je sais pas j'ai jamais acheté ces machines. C'est une Shield, ça Ou c'est un autre... Euh, un truc taïwanais ou, euh... Ouais, on voit pas le câble management, c'est dommage. Je suis sûr que c'est Cracra. C'est une console en chinoisium. Ah ouais Ouais, ça me paraît un peu trop... Le, le design me paraît un peu trop bizarre pour, euh, pour une Shield. D'accord, ok. Donc je suppose que c'est une console PC, euh, ok, qui s'est achetée parce que c'est lui... Ouais, D'accord. Alors, sur le bureau... Bon, attendez. On va prendre le bureau bien rangé. Puis ensuite, on ira voir le bureau un peu cracra. Alors, lui, au moins, contrairement à JBS, il a un clavier mécanique qui me semble convenable, même si honnêtement, c'est pas, euh, pas foufou euh, niveau coloris, je trouve. Hein. C'est très monochrome. Euh, la souris. La souris avec le cracra de doigts. Voilà. Ça, c'est les peaux mortes du pouce, ici, qui se sont déposées et qui ont fait une petite croûte. Un peu dégueu. On en a vu pas mal. Euh, c'est quoi ça C'est un. C'est un iPad qui est fermé. Non, ce sont les reflets, vous me dites. Non, non, c'est pas les reflets. Ça, c'est du cracra de doigt, ça. C'est du cracra de doigt. Tablette pour le chat, je dirais. Ok, d'accord. Ouais, ça, mais ça pourrait aussi être une lampe, non un iPad Mais alors, il y a une couverture sur l'iPad Ça me paraît bizarre. Les couvertures iPad, elles sont pas comme ça, si Ah non, un iPad pour Navigraph, je pense pas qu'il utilise... Je sais pas s'il utilise Navigraph, euh, Daz. Hein, parce qu'il vole vraiment YOLO. Hein. Euh, ça, c'est quoi Akai MPC Live... Ça, je crois que c'est un truc pour mixer, il me semble. C'est un truc pour mixer le son euh, qui vient du micro, Vous rajouter des effets, euh, des trucs comme ça. J'insiste, c'est la texture de la souris, dit Eléline. Attendez, parenthèse, parenthèse. Est-ce que ça, c'est du cracra de doigts ou est-ce que c'est la texture de la souris Sondage. Le chat va décider si on en tiendra compte ou pas. C'est du cracra de doigts ou euh, texture de souris Parce que moi, j'ai un gros doute. J'ai un énorme doute. Ça pour moi, c'est pas la texture de la souris, c'est du craquera de doigts. Oh, vous allez me faire un 50-50 comme des couillons. Voilà, voilà, vous allez me faire un 50-50, Ah, la texture de souris qui semble se démarquer. Ça me fait mal. C'est dommage. Bon, il a le petit stream deck aussi. Il a le stream deck de casu, le stream deck de noob, le stream deck de console. Oui, parce que si vous n'avez pas un stream deck qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, qui a 32 boutons, vous êtes un casu, vous êtes un noob. Merci by51 pour labo. Un pouce ou frérot, fort, merci pour le soutien. Il y a quand même du cracra sur le clic gauche. Alors, qu'est-ce que vous me dites Bon, vous voulez faire un 50-50, donc tenez, moi aussi, 50-50. Et. Non, cela dit, est-ce que. C'est vrai que c'est difficile à identifier parce que la, la crasse aurait peut-être pas cet aspect-là. Ah, c'est difficile. Mais là, on voit par exemple qu'il y a du cracra là. C'est euh, difficile, c'est difficile. Euh, donc là, le Stream Deck, là, il a un joli petit micro. OK, d'accord, impeccable. Là, il a un Go XLR, ça, c'est pour brancher son micro euh, XLR. Qu'est-ce qu'il a comme écran Tiens, Daz, Ça a l'air d'être un beau Samsung... Euh, ça doit être un 27, ça Oh, peut-être même plus que ça. Faut comparer avec l'autre photo. Ah oui, très bonne idée. Euh, Qu'est-ce qui a dit, ça C'est Quarlar qui a dit ça. Ah... Ah, ça n'a pas l'air d'être du cracra de doigt. Ça n'a pas l'air d'être du cracra de doigts. Merci Anakin366. Un pouce sous, frérot, frérot. Frérot, frérot, merci pour le soutien. Ouais, parce qu'on ne voit pas le les, les, les truc, là, comme ça. Ah, c'est bizarre. Alors, je demanderai une enquête à la, à la brigade de gendarmerie euh, bureau logique. La, la BGB, bien sûr, la BGB de Montargis. Hmm. Ok. Ok. Euh, bon alors là comme ça le bureau est bien, sauf que, et alors là je sais qu'on va rentrer encore dans le débat où vous allez m'insulter en disant nie, « nien 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 mais t'as rien compris », sauf que il a les trucs à la con là, alors que ça c'est pas utile. Alors je... alors je vous le dis tout de suite, on ne recommencera pas le débat du « mais si c'est utile parce que j'ai mon beau frère, il est ingénieur acousticien et il m'a expliqué que c'était utile euh, ». J'ai décrété que c'était pas utile, et euh, ça n'était pas utile. J'ai décrété que c'était une bêtise de mettre ça, que ça ne servait à rien, que c'était juste pour le style. Voilà, alors DV8 qui me dit non, mais t'as rien compris. Quelle indignité. Merci euh, Led Zepp. Un pouce frère frérot, frérot, merci pour le soutien. Alors oui, le bureau en verre, on va, on va y arriver. Bah, alors le bureau en verre, moi, il y a un truc qui m'intrigue, et qui, qui m'interroge, c'est ça. Est-ce que Daz aurait eu l'outrecuidance d'acheter Peut-être me trompe-je. Mais un bureau en verre assis debout avec des commandes tactiles intégrées sur le bureau en verre. Des plaques à induction, qui parlent de brando. Alors, tout le monde qui dit que ce sont des plaques de cuisson, et... ah, c'est bon. Cela être des, des toutes petites, peut-être avec des petites. Euh... C'est vrai que là, effectivement, on imagine bien une tout, toute petite casserole ici, comme ça. Voilà. Là où vous faites un petit cassoulet, par exemple. Voilà. Ça peut être sympa. Ouais, c'est ça. Hein. C'est un bureau assis debout avec les commandes intégrées, les commandes tactiles intégrées dans le verre du truc. Et ça, qu'est-ce que c'est Pourquoi il y a un truc Wi-Fi là Qu'est-ce qu'il fait ce bureau Est-ce que quelqu'un connaît la référence Le bureau, c'est un prêt pour test, je crois, pour JVC ou Canard PC. D'accord. Euh... Ok, pas malin. Eh bien, euh, je ne savais pas. Ouais, j'ai vu qu'il y avait une, une espèce de marque. Ça commence par RECT. Alors. Je ne sais pas s'il est bien le bureau ou pas. Mais quand, quand un fabricant commence à. à commence sa marque par RECT. T'es dur. Chargeur sans fil, dit Oli. Ouais, peut-être. Il l'a eu pour un test. Ah bah oui, mais alors c'est pas son. c'est pas son vrai après si, si c'est si un bureau qu'il a eu parce qu'il faisait un truc dans le CPC Hardware euh, bon mais mine de rien ça va être en vert quand même cela dit il a l'air très neuf ce bureau parce qu'il n'y a pas les, les, les traces de doigts dessus bon on lui en tiendra rigueur on lui en tiendra quand même rigueur il a un petit skateboard aussi parce qu'il fait beaucoup de skate euh, alors je crois que c'est du skate électrique qu'il fait Daz c'est un grand fan de skate électrique et il y a un truc que j'aime bien ça c'est très bien c'est le petit pied ici parce que du coup, ça libère tout l'espace, en termes tactiques, on appelle ça l'espace sub et, euh, et ça, c'est très bien. Qu'est-ce que c'est, ça ou savez ce que c'est RECT ERGO Touch Desk 120. On dit que c'est un bureau RECT à 800 euros. Oh, ok, d'accord. Ok, ok. Attends, je vais juste, je vais juste jeter un coup d'œil au bureau. Voir un peu le truc que c'est, parce qu'il y a Moéa qui a mis le qui a mis le... qui a mis le lien, donc je vais le lancer. Et... Ah bah vous avez dû tous s'appuyer en même temps, et du coup ça ne veut pas se charger. Ah, c'est la salariéte FR. Et bah ça ne veut pas se charger. Partez du site, s'il vous plaît. Non, il ne veut pas se charger. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on, on, on y reviendra tout à l'heure quand il y aura moins de monde. Euh... Ok. Alors. Euh, oui, est-ce que vous savez ce que c'est, ça, du coup Je vous ai demandé. C'est. Euh, tac, tac, tac. Sur son vrai bureau, son écran se replie dans le bureau lui-même. Oh. C'est une webcam Razer Kyo. Ok, d'accord. Je suppose avec un clapet qui se ferme Ouais, ok, d'accord. Ouais, parce qu'il est, bah oui, parce qu'il se dit, euh, comme je suis un, comme je suis un twitcher assez connu, il euh, y a peut-être des hackers chinois qui veulent me, me hacker et me, me surveiller à travers ma webcam, et donc, euh, comme Zuckerberg, je mets, un, je mets un petit cache sur ma webcam, bien sûr. Alors, quel est le problème principal de ce bureau Quelle est la raison pour laquelle ce bureau ne sera pas relaxé Il est petit. Non. Non, dame, dame, c'est cent Non, il est, il est petit, mais il est bien organisé et surtout, il n'est pas surchargé le monochrome noir, exactement Rabbitman c'est un bureau qui d'un point de vue euh, chromatique euh, ne respecte pas le code de la bureau. -logie. je vous rappelle le code de la bureau logie. Euh, il stipule qu'il faut favoriser les teintes chaudes, là il n'y a pas de teintes chaudes, et puis essayer si possible de mettre une petite touche de couleur c'est à dire vous avez un bureau qui est dans les teintes boisées, très joli, très agréable et puis de ci de là, vous mettez par exemple une petite plante verte avec un vert un peu vif, ou alors un petit objet déco un peu rouge, alors là vous me direz il euh, y a, la, y a la, hum, la, la, roue du, la roue du skate qui pourrait faire, euh, qui pourrait faire office d'élément de, de, déco. Mais non, ça ne fera pas office d'élément déco. Il a un beau casque, par contre, un Sennheiser, je ne le connais pas celui-là. Est... Ah, il a deux casques. Pourquoi, Daz Pourquoi... Mais que, Quelle est cette épidémie de gens qui ont deux, trois, cinq casques Quelle est cette, 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 cette cascomanie euh... Euh, qui, qui, a, qui, a, qui a inondé la France? Un sans fil et un filaire. bah ben oui, mais pourquoi ne pas prendre juste le, 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 un des deux, faire un choix, c'est-à-dire s'engager dans la vie? Voilà, pour une fois, j'ai envie de dire avoir des coronesses, dire, euh, eh bien non, je m'engage, j'en prendrai un sans fil. Voilà, c'est ainsi, c'est décidé. Bon point, on ne voit pas la corbeille sur l'écran éteint. Je refuse de croire que Daz. Qui est par ailleurs un homme tout à fait admirable, puisse avoir la corbeille sur son bureau Windows. Je refuse de le croire. Ah oui, peut-être un casque pour test, nous dit Escobar X. Ouais, peut-être. Le principal défaut de ce bureau est qu'il appartient à un meilleur pilote de Flat Simulator que le juge. Quel oh, oh. Alors là, vraiment. Franchement. Ça, est, non, mais ça me touche même pas parce que c'est une insulte qui est tellement tirée par les cheveux, il n'y a, a même pas de différence. Euh, enfin, Alors, la chaise, on ne peut pas voir la chaise, malheureusement, et donc on va commencer d'ailleurs par lui mettre sa première condamnation qui va être une petite dissimulation de preuves, ça lui fera plaisir. Alors, je ne vais pas noter le bureau bordélique. Il, il a eu l'honnêteté. Pour récompenser son honnêteté, je ne vais pas noter le bureau bordélique. Mais qu'est-ce que c'est, ça, à votre avis C'est un, un bonnet il met des bonnets dans ses streams, euh, Daz C'est ses déguisements Oui, c'est un bonnet à pompons. Alors, oui, là, ça fait de la couleur. Mais bon. Il y a son passeport, euh, où vous verriez d'ailleurs son vrai nom, hein, parce que j'ai la photocopie de son passeport, euh, Patrick Dazevich. Euh, et puis, sinon, je ne sais pas ce que c'est, ça. C'est un truc de tabac, ok. Euh, ça, c'est sûrement euh, un petit mot secret destiné à... Peut-être son pense-bête Flight Simulator. Voilà, avant d'atterrir, ne pas oublier de sortir les trains d'atterrissage. Mais en fait, il ne jamais son pense-bête. Il a une petite gourde pour rester hydraté, c'est important. Et puis, évidemment, on a la zone administrative bordélique. Et là, on voit que vous avez euh, un petit truc de la République... Euh, une petite insigne de la République française. Ça, c'est probablement une contravention, parce qu'il a, il a été flashé à 2,50 sur son scooter, euh, sur les quais de Seine. C'est bien le genre. Euh, ok... Alors dissimulation de preuves. Euh, L'alignement c'est propre. Les câbles bah ouais mais c'est dissimulé. Euh, la tour elle est pas sur le PC, elle est pas sur le bureau. Oh, on veut lui mettre le crime de papier peint là pour les, pour les trucs ici là. Euh, hop. Pour les trucs pour les trucs comme ça. Voilà. C'est inutile. Soit vous en mettez partout, soit vous en mettez nulle part, mais c'est inutile. Moi, j'en ai pas, par exemple. Est-ce que vous entendez un écho dans mon son Non Voilà. Fin du débat. End of the debate. Euh, le cable management. Bon, on le voit pas. Euh... Est-ce que je lui mets un acte de barbarie sur le bureau, sachant que c'est peut-être pas son vrai bureau Ça me paraît. Euh... Ça me paraît sévère, mais vous savez quoi ça lui apprendra à faire des atterrissages aussi pourris sur Flight Simulator. Voilà. Acte de barbarie, c'est pour le bureau en vert et pour euh, ces streams Flight Simulator euh, où, où il, c'est honteux quoi. C est, c est, euh... Dire dire qu'il y a des enfants qui regardent ces streams Flight Simulator et ils disent ah oh bah je veux être pilote comme Daz. Oh, les pauvres, s'ils savaient. Euh... Après, c'est un bureau. Je... je veux dire autant Daz quand je regarde ses streams, il me raconte une histoire. Je suis dans le monde de Patrick Dazovitch, euh, je suis avec lui dans les cieux, dans son TBM 930, euh, à faire n'importe quoi. Euh, il m'emmène quelque part. Il euh, y, a, y, a y, a, y a du romanesque. Autant le bureau, je le trouve tristoun. C'est le deuxième bureau de Daz, bureau presse... Ah oui, c'est mauvais, pardon. Euh, autant son bureau, je, je le trouve chromatiquement tristoun. Je trouve qu'il n'y a pas d'effort déco, mais d'un autre côté, je sais que Das, ce n'est pas quelqu'un de déco. Das, c'est n'est pas quelqu'un euh, qui va s'asseoir dans un petit canapé et puis qui va ouvrir euh, un magazine de déco d'intérieur et qui va dire, oh là là, ce plaid, ce plaid de couleur framboise, là, il est quand même vachement sympa. Ce n'est pas le bonhomme. Ce n'est pas l'esprit, ce n'est pas le spirit. Il est, il est très tech. Il est très, euh, finalement, assez austère. Allez, on va lui mettre une petite mise à l'épreuve. Ça peut paraître sévère, mais c'est le problème que j'ai avec de nombreux, de nombreux bureaux, c'est qu'ils ne me racontent pas d'histoire. Ils ne me font pas voyager. Vous voyez là c'est un bureau qui est quand même un peu sec c'est un bureau qui est euh, je vais pas dire stérile mais euh, vous, avez, vous, avez pas, vous avez pas de ça manque de tissu vous n'avez pas de surface chaude vous n'avez pas de couleur vous n'êtes vous pas en vacances sur ce bureau vous êtes au travail exactement voilà c'est ça c'est son bureau chez lui et c'est le bureau de travail et, euh, et c'est ça que je reprocherai en tout cas, on fait un gros bisou à Daz. Un pouce sous euh, le frérot Daz. Euh, si vous pouvez mettre son, son Twitch, euh, les modos sur le, sur le, sur le chat. Qu'est-ce qui Twitch, qu'est-ce qu'il euh, stream euh, Daz Il fait du flat Simulator Si, il fait, du... il fait du Hearthstone à fond les ballons. Si, si, c'est un gros, gros joueur de Hearthstone. Bon, du coup, je regrette pas dû lui avoir mis une mise à l'épreuve. C'est un très gros joueur de, de, de Hearthstone. Vous me dites BF donc HS, HS Hearthstone et BF c'est quoi Il fait du Battlefield Non, il ne fait pas du Battlefield. Elite Dangerous. Ouais, mais il stream moins d'Elite Dangerous euh, en ce moment. Il fait du Battlefield Daz oh. Ah bah c'est. Il fait du Battlefield 2042. Ouais. Oui, et puis il fait aussi les. Il fait aussi euh, les excellentes émissions là, avec Fibre Tigre, euh, où il, il, se... il stream du jeu de rôle. Euh, ça s'appelle. Game of Throne ou Game of Roll, un truc comme ça Game of Roll, voilà, c'est ça. Game of Roll. Ils sont vachement bien. Si vous aimez, les, si vous aimez ce loisir euh, euh, ringard euh, qui est, qu est le jeu de plateau, je vous conseille les Game of Rolls de, de Fibrotique. Vous avez Lamua, vous avez Daz, vous avez d'autres invités comme ça. C'est vachement cool. Euh, bah on lui fait un gros bisou, euh, au frérot Daz. Et puis, on va au suivant. Alors, celui-là, vous le connaissez tous. Je vous laisse deviner. Facile. Facile. Enfin, facile. C'est surprenant. Oui, c'est ça. Il a bien deviné. Qui est-ce qui a bien deviné Je l'ai vu passer, ça va vite. Attendez, c'est Suriki. Effectivement. Alors, ça, figurez-vous que c'est le bureau d'Yvan Le Fou à la rédaction. Eh oui. Et. Euh... Alors, Yvan Lefou, euh, bon, vous le connaissez tous. Hein, vous, vous, vous avez vu ses streams, euh, les streams qu'il fait le midi ou l'après-midi sur Football Manager. Vous savez que c'est quelqu'un d'extrêmement psychorigide. Hein. Yvan, je vous rappelle qu'il déteste trois choses. Il déteste euh, la musique, le rire des enfants et le bonheur. Bon, c'est comme ça. Hein, c'est chacun son choix. Donc, on pourrait penser que ce, ce, ce personnage aurait un bureau, mais rangé au cordeau, euh, complètement monochrome, le truc le plus... Voilà, tout à angle droit, un bureau de psychopathe, exactement comme le mien, en fait. Eh bien, non. Il a un bureau... Voilà, c'est un... C'est un, un dépotoir. C'est une c'est une jungle. Et en plus, je suis allé à la rédac' euh, il y a 2-3 jours, et je confirme que son bureau est bien comme ça, et je crois que même il y a 2-3 jours, il était encore pire. Là, si ça se trouve, c'est son bureau qui est un peu rangé. Donc, voilà. C'est ici qu'il prend... Alors... C'est à ce bureau qu'il prend toutes les décisions... Euh, oui, pardon. C'est à ce prend toutes les décisions euh, concernant Canard PC. Euh, et évidemment, ça explique beaucoup de choses. Ça explique un peu tout. Alors, vous avez la bouteille de San Pellegrino, qui est peut-être l'objet qui définit le mieux Yvan. Parce qu'à chaque, chaque fois que vous faites un resto avec lui, alors il y a le serveur qui « Qu'est-ce que vous voulez boire ?» Alors, bon, les gens normaux ont dit euh, « oh, ben, De l'eau, euh, un coca light ». Et puis lui, il fait... Euh, une sampé pour moi. Oui, il dit pas sangpègrino, il dit une sampé. C'est c'est ça, c'est sa petite coquetterie. Toujours, il a toujours pris une sampé p euh, au, au restaurant. Que voulez-vous C'est euh, étrange, mais c'est comme ça. Il y a des gens qui ont des obsessions et lui, c'est lui, c'est la sampé. Alors, qu'est-ce dans ce Il y a rien qui va. J'essaie de trouver un alignement, un truc comme ça, mais il y a rien qui va. Euh... Oh, il a. Alors la souris, c'est une merde. mais c'est là, la... ça doit être les, les dernières Microsoft IntelliMouse. C'est complètement pourri. Le tapis de souris, alors je ne devrais pas le dire, tapis de souris, parce que c'est le tapis de souris canard PC. Mais ces tapis de souris-là, c'est de la tout pourri. La surface, elle est, elle est merdique. Faut... n'achetez pas ça. Hein. Si vous voulez le revendre sur eBay dans 50 ans, mais euh... voilà, n'achetez pas ça. Euh... Le clavier, il est bien. Ça a été mon clavier pendant quelques années. C'est le... le Illuminati de Logitech, qui est pas mal pour une utilisation bureautique. Il est sympa. Et sympa ce clavier. Et puis là après il euh, bah, y a du gribouillis, du gribouillis, des. Je sais pas, des. Voilà, des lunettes. Oh regardez le casque. Oh il me fait honte. Oh le casque il est moisi. Les champignons l'ont attaqué. Oh Et alors là, ensuite on, on avance un peu dans la jungle. Une gomme. Ah oui, voilà, il n'y a, a pas un seul crayon à papier sur le bureau, mais une gomme. Euh, un ballon. Alors ça, c'est sa balle anti-stress. Parce que il nous fait croire qu'il est stressé de temps en temps. Des petits mouchoirs pour se moucher. Bon, des canards PC. Bon, alors ça, on ne peut pas lui reprocher d'avoir des canards PC sur son bureau. Hein. Ah là, il y a ses mots de passe. Oui, oui, alors là en dessous, je vous le dis, il y a tous ces mots de passe. Parce que vous savez, Yvan, c'est quelqu'un. Vous lui dites non, mais tu sais, tu devrais, euh, tu devrais utiliser un gestionnaire de mots de passe. Et il dit, oh non, vous savez, l'informatique, c'est compliqué. Bah, c'est les seniors, c'est les seniors. C'est euh... voilà. Donc comme tous les seniors, il a tous ses mots de passe. Alors Toto 123, Toto 122, euh, qui sont euh, qui sont inscrits sous sa sous sa petite feuille là. Et il, toujours, il nous dit euh, non, mais en fait, c'est le truc le plus sécurisé, hein, parce que les mots de passe euh, dans un gestionnaire de mots de passe, vous savez pas où ça peut aller. Euh... Une autre génération, une autre génération. Euh... L'écran est pas mal après, évidemment, évidemment, il a laissé... Ah bah ben voilà, là on a le petit il a laissé tous les autocollants. Après, vous remarquerez que c'est quand même relativement propre, même s'il y a plein de petites taches de poussière ici. Étonnant ça Ouf, là il y a même un truc très cracra là. Ça on dirait que c'est du... Oh, la, la, la tasse de café un peu cassée et tout, mais quelle... Il y a une règle comme à l'école. Ça, c'est pour... Euh... Ben, en fait, ça, c'est pour nous punir. Parce que Yvan, par exemple... Euh... Ben, moi, ça, ça nous, ça nous est il n'y a pas longtemps. Euh, C'était euh, Sebom. Euh, il avait fait un stream et euh, il n'y avait pas assez de viewers. Donc, Yvan lui a dit... Euh, Sebom, viens ici. Donc, Sebom, il s'est dit oui. Euh, Qu'est-ce qui se passe Yvan a dit... Euh, Mets met tes doigts comme ça, là. Et euh, donc Sebum bon, il met ses comme ça, Yvan a pris la règle et il lui a mis un grand coup de règle sur les doigts pour lui faire mal aux ongles. Ça c'est un vieux châtiment qu'on utilisait dans les, dans les écoles des années 60, des années 50, des années 60, et euh, bah voilà, Agar, pourra, Agar peut témoigner sur le chat. Et euh, c voilà, c'est des, 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 des punitions corporelles, parce qu'il est, est, euh, est très old school Yvan, hein. c'est comme ça qu'il qu fonctionne, donc c'est sa petite réglette de punition. Il y a quelques années, il avait le martinet. On lui a dit, Ivan, c'est plus possible. On lui a dit, Ivan, si tu continues avec le martinet, on se syndique tous. Et là, ça lui a fait peur. Il a dit, oh non, d'accord, j'arrête le martinet. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre bah, Alors, le, le cable management. Alors, bah, bon, on peut en avoir un petit aperçu ici. Voilà, un petit aperçu du cable management en, 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 en vogue à la rédaction. D'ailleurs, je signale qu'il y a plein de gens sur Twitter qui m'ont qui montré des photos de la rédaction prise sur les streams et tout, où effectivement on voyait des cable management qui étaient absolument dégueulasses. Et je vous confirme qu'à la rédaction, il n'y en a pas un qui range ses câbles, et même pire que ça! Quand moi j'ai rangé mes câbles, quand j'ai quand installé mon bureau la dernière fois qu'on a déménagé et que j'ai rangé mes câbles, ils se sont tous foutus de ma gueule. Ils étaient derrière moi comme ça, en train de me dire oh, Ouais, c'est ça, vas-y, ouais, fais un petit nœud autour de tes câbles là. Ah, mais vraiment. C'est la rédaction, c'est une... Je ne vais pas dire que c'est une porcherie, parce que c'est propre. C'est un. C'est un bordel à ciel ouvert. Euh, voilà il y, y en a partout il y en a pas un qui range ses câbles il y, y, a, y a des monceaux de magazines partout y a des voilà regardez rien rien qu'un petit exemple ça c'est une lampe et tiens il y a Edouard Philippe là ça c'est une lampe et, et, et ça c'est du c'est du dégueulis de lanières euh, de ça c'est des lanières vous savez que vous vous mettez vos badges dessus sur les salons voilà c'est bon, voilà, vous voyez, lunettes, un porte-clés, voilà. C'est-à-dire, c'est le, le royaume de la figurine, c'est le royaume du, du truc qu'on n'a pas touché depuis 5 ans, mais on l'a stocké là, et depuis, ça bouge plus. C'est épouvantable. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui mettre à Yvan Bon, on va lui mettre acte de barbarie, atteinte à la dignité humaine pour l'apparence générale du bureau. Évidemment, le bordel, on n'en parle pas. Le câble, on ne le voit pas, mais croyez-moi, c'est là. Le fauteuil il est pas mal je crois qu'il a... Il... Alors il n'a pas un Marcus d'Ikea, euh, j'avais regardé avant-hier, euh, il a un autre fauteuil de bureau assez classique. L'alignement, il n'y a rien qui est... Quoique, oh, quoi que, attendez... Oh, f... Non, mais là, regardez, là, le tapis de souris n'est pas parfaitement aligné par rapport à l'axe de bureau. Non, 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 allez. On met fraude à l'alignement. On met voilà hein. voilà ça va c'est déjà pas mal alors bon Yvan, dans la dans, dans la vie réelle euh, bon bah, c'est mon patron hein. c'est à dire que euh, ah, dès qu'il me dit un truc moi j'obéis comme ça je suis là oui monsieur et tout en plus je, moi je suis très servile hein, vous savez voilà, parce que je suis à lâche mais devant le tribunal logique c'est moi le patron c'est moi le trompe. Alors qu'est-ce que je vais pouvoir lui mettre, à Yvan, pour cette espèce euh, d'horreur burologique Même si, même si, il faut le dire, le bureau en lui-même, les bureaux en lui-même qu'on achète à la rédaction, ils sont vraiment bien. Mais là, évidemment, c'est complètement, c'est complètement caché. Qu'est-ce que je pourrais lui mettre Je vais pas laisser parler, euh, je vais pas laisser parler mes sentiments. Je vais essayer d'être le plus objectif possible. Euh, et ça, évidemment, ça mérite, euh, ça mérite le newf. Parce que c'est pas rangé. Euh, non, là, il y a trop de papiers. Là, il y a une zone administrative bordélique, absolument scandaleuse. Donc, euh, voilà. On y va, le newf. Et, et puis, ça nous fera des vacances à la rédaction. Ça sera cool. On aura une rédaction. Vous savez quoi On aura une rédaction sans patron et on se rendra compte que ça marche finalement tout aussi bien. J'en suis persuadé. Allez, suivant. Alors, alors, celui est intéressant. Est-ce que vous allez deviner qui c'est On dit sébum, non. C'est pas loin de sébum, mais non, on dit un médecin, non. Non, c'est pas un docteur, non, c'est pas un bureau de docteur. C'est pas le bureau de Marc Lévy, non, c'est pas le bureau du MEDEF. Euh, c'est pas le bureau de François Hollande. C'est pas le bureau de malware. C'est pas le bureau divan chez lui. Non. Ah Il y a Oli qui, a, y a Oli qui, qui trouve. Alors, ça, c'est le bureau du frère d'Yvan. Parce que dans la famille d'Yvan, nous avons le Yvan, mais nous avons aussi le Laurent. C'est le, le bureau de Laurent Godet qui nous a très gentiment euh, envoyé, euh, envoyé son bureau d'écrivain. Et. et Comment s'y attendait Eh bien, c'est le bordel. Voilà. De toute façon, on le sait que les écrivains, c'est des détraqués. Ils sont tous des détraqués, les écrivains. J'ai appris un truc récemment, vous savez que Victor Hugo, alors qui était un beau détraqué, hein, il bouffait les oranges avec la peau. Alors à la fin du repas, il prenait une orange comme ça, et il l'épluchait pas. Il croquait dedans et il bouffait tout la peau. Le... Les écrivains. Les écrivains. Amélino tombe. Amélino tombe, elle mangeait des trucs pourris. Vous savez, c'est connu ça. Elle, euh, elle laissait des trucs pourrir et elle les mangeait après. Elle disait qu'elle aimait bien quand ça avait des petits poils et tout. C'est les écrivains. C'est les écrivains. Alors, euh, en plus, voilà. En plus, c'est un militant du bordel. Don't give up, don't tidy up. Non, je ne rejoindrai jamais ça. Non, à la tyrannie du rangement, le chaos c'est la vie. Quel le chaos n'est pas la vie. Alors, c'est pas un bureau dégueulasse. Merci chez d'avoir offert un abo. Enfin, des abos. Un pouce frérot, chez tipix C'est pas un bureau dégueulasse, mais quand même. Alors ce que j'aime bien, et ça, je trouve qu'on n'en voit pas assez dans les bureaux. On en a vu quelques-uns dans les, dans, dans, les, dans les autres épisodes du Tribunal des bureaux. Euh, c'est bureau, la, la bibliothèque. La, biblio, la bibliothèque, elle est très cool. Euh, et ça rajoute tout de suite vraiment... Oh, il y a des moulures aussi. Prix Goncourt. Les Prix Goncourt ont, ont des moulures, évidemment. Et ça, la, ça la bibliothèque, elle est très jolie. Alors je sais pas trop ce qu'il lit. Est-ce qu'on peut voir ce qu'il lit Non, là on peut pas lire. Oh, je pense que c'est principalement la bibliothèque rose. Ça par exemple, ça c'est euh, ça euh, contre le boucher de Montargis. Ça, ça je l'avais lu quand j'étais petit. Celui-là, je le reconnaissais. Euh, oui oui, au Carnaval. Très très bon roman. Très très bon roman. Euh, alors, en fait, dans ce bureau. Alors, il y a une autre vue. Je préférais celle-là parce que celle-là, on voyait pas, on voyait pas le massacre, le, le massacre du cable, du cable management. Oh, l'imprimante. L'imprimante dans la zone genou Le clavier. Il y a deux claviers. Et puis, euh, et puis voilà quoi. Voilà. Alors, alors, une pile de papier, une deuxième, une troisième, parce que pourquoi pas, une quatrième, ça c'est toutes les contraventions. Il connaît quelqu'un de la préfecture, il se les fera sauter. Ça, euh, c'est... Toutes les factures euh, comprises entre 1992 et 1998, ça peut servir, il faut l'avoir à portée de main. Et ça, c'est tout le courrier qui a été reçu depuis, euh, depuis le début de l'année et qui n'a pas été ouvert parce que vous savez, les écrivains, c'est des gens, ils sont dans. C'est sur des créatifs, donc euh, ils ont tous une certaine, une certaine phobie administrative. Bon, alors par contre, au moins, il y a une multiprise noire. C'est moins pire que la multiprise blanche. Merci Super Frela euh, pour la beau. Un pouceau, frérot frérot, merci pour ton soutien. Oh là là. Mais vous savez ce qui me dérange le plus dans ce bureau Parce qu'en fait, regardez. Si vous prenez juste cette structure-là, clac clac, 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 clac. En fait, c'est bien. Parce que vous voyez que ça, c'est probablement un bureau custom qui a été installé par un menuisier, un truc comme ça. Parce que vous voyez qu'ici, il n'y a, a pas de pied. Là, vous avez dans le même bois toute l'étagère qui est faite ici. Et ça serait vachement bien. Donc, en fait, si vous faites abstraction, attention, ça va être, ça va être une euh, séquence assurage. Donc, si vous faites abstraction en fait, de cette zone-là, je vais l'assurer. Hein. Je vous préviens, je l'assure intégralement. Hop, 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 hop. Si vous prenez juste la zone jaune, en fait c'est un beau bureau. Mais Laurent Godet, parce que c'est un écrivain et que tous les décrivains sont détraqués, a choisi de nous faire ce qu'on appelle un bureau fléchal, c'est-à-dire un bureau organisé en pointe de flèche. Et ça, je vous avoue que je ne l'avais jamais vu. Alors pourquoi ben, Je ne sais pas. Il aurait pu faire un bureau, euh, un bureau à angle droit, par exemple, avec ça là, comme ça. Alors bon, là je vous fais un petit peu l'angle droit, je ne suis pas très bon au niveau de la perspective. Ouais, non, j'ai foiré la perspective. Mais enfin, vous saisissez l'idée, ici avec un angle de 90 degrés. Mais non. Merci Plitrule pour la voix. Un pouce sous euh, frérot frérot. Je suis désolé si je rate des abonnés. Euh, mais Lord disease je l'ai pas vu. Un pouce euh, Lord disease merci pour le soutien. Qu'est-ce que j'ai raté Je regarde en vitesse. J'ai raté Anakin 366. Tanakian, je crois que je l'ai raté. fixe je crois que je l'ai raté. Je vous fais des pouces sous, les frères et voilà Donc ça, c'est... Ça, on l'a jamais vu. Hein. Ça, moi, j'ai jamais vu de bureau en forme fléchale comme ça. Euh, et alors surtout. Pourquoi faire un bureau en forme fléchale si c'est pour stocker des papiers Pourquoi ne pas stocker les, les papiers euh, dans, un petit, euh, dans un petit meuble à part Ça serait très bien. Ça suit le motif du parquet si on regarde bien, dit et Effectivement, il y a aussi un parquet de type fléchale, mais je ne pense pas que, que, que c'était l'inspiration principale de la forme du bureau. En plus, évidemment, c'est un bureau en verre. Voilà. Bon. Euh, il n'y a pas de tapis sous le, sous le siège. Le siège qui passe si mal, alors il y a un appui tête, ça vaudra une condamnation bien sûr, un appui tête c'est dommage, mais le siège a pas l'air mal en fait, euh, mais il y, a pas de, il y a pas de petit tapis sur les roulettes, il y a une grosse corbeille, voilà. il y a des sacs, il y a, il y a des, des paniers de... On ne sait pas, mais... Il... Des ramettes de papier, ben oui. Il faut les mettre en évidence, les ramettes de papier. Euh, alors, les pots et stylos ne sont pas épouvantables. Ils ne sont pas épouvantables parce qu'il y a quand même une volonté de garder les stylos de même, de même design. Même si bon, on voit qu'il y en a plein de différents. Mais au moins, il n'y a pas de quatre couleurs. C'est ça qui est bien. Il y a du bordel sous la table. Ah oui, j'avais pas vu oh, Il y a une seconde ZAB, il y a une seconde zone administrative bordélique. Ici. Oh, vous avez la double couche. Ah oh. oh ben ça tout. Ça, ce sont des manuscrits. Euh... Ça, ce sont des manuscrits non publiés. Hein. Ça, je... Si ça se trouve, le, 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 le prochain roman de Laurent Godet, il est là. Il est ici. Hein. On voit, vous savez quoi On voit l'histoire de la littérature française se faire euh, sous deux yeux. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce bureau Il y, a du... Il y a du plafond. Hein. Ça, c'est du plafond. Euh, c'est du beau plafond haussmanien, ça. Ça, c'est du plafond de 3,50 m. Ah, j'aime bien les moulures. J'aimerais bien avoir des moulures. J'en ai eu des moulures, cela dit, euh, à un moment. Euh... Bah, c'est joli. C'est agréable, les moulures. Merci, Darkman 13. Un pouce ou, frère Merci pour le soutien. On notera que tous les crayons en bois sont parfaitement taillés. Non, mais ils sont... C'est pas si mal que ça. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'il a... Là, il a... il a deux pots à stylo assortis, et puis là, il en a un qui n'est pas assorti du tout. Ça, ça doit être le... le fameux tas de cartes de visite. Alors là, Laurent Godet, vous pouvez être certain qu'il fricote avec le... le tout Paris littéraire. Euh... Euh... Christophe Barbier... <laughs> Je... Je... Je suis sûr qu'il doit avoir... Je suis sûr que là-dedans, il doit avoir la carte, euh, vous savez, de ce monsieur avec les cheveux un peu comme ça qui présente la grande librairie. Comment est-ce qu'il s'appelle Vous devez le connaître. Merci Ultimate Senpai pour le, pram, pour le Prime. Un pouce sous euh, frérot Senpai, merci pour le soutien. Euh, comment il s'appelle euh... François Bunuel. Voilà, c'est ça. Je suis sûr qu'il qu a la carte avec le numéro de, de téléphone portable de, de, de François Bunuel. Alors, on me signale, et eh oui, et vous avez raison. Et voilà. C'est fou, hein, parce que vraiment, cette épidémie d'avoir la, 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 de, de garder la, la corbeille sur le bureau Windows, c'est on voit que ça touche tout le monde. Ça touche euh, euh, l'agriculteur au fin fond du Morvan euh, et euh, le, le, le prix Goncourt Germano-Pratin. Toutes les strates de la société sont infectées par ça, là. Ça, ça. Ça, ça a l'air d'être l'icône Steam. Ouais, c'est l'icône Steam, hein. Mais c'est là le vieil icône Steam. Si ça se trouve, Laurent Godet, il joue comme à ouf à Rocket League. Si ça se trouve, Laurent Godet, il est, euh, est GC à Rocket League. Ah oh, ça me ferait mal. Hein. Ok, oui, du mal à être Diamant 3. Ouais, ouais, non, mais il y a, y a du Steam. Il hein. y a du Steam. Il est sous XP. Vous croyez que c'est un Windows XP Non, il n'est pas sous XP quand même. Non, merci Jean-Montbutter pour le Prime. Un pouce ou, frère ou Quoique, vous savez, par exemple, euh, l'anecdote célèbre, c'est euh, George R.R. R. Martin, l'auteur de Game of Thrones, qui apparemment avait écrit tout Game of Thrones, y compris les, tout Game of Thrones, y compris les derniers livres, euh, sur un vieux PC portable, MS-DOS, un truc comme ça, des années, euh, des, des années 90, et il continue à écrire, euh, écrire euh, là-dessus. Ouais, ouais, il y a la corbeille. Alors, au moins, il n'y a pas trop d'icônes. Voilà, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est la limite. Mais euh, voilà. Ouais, un vieil Apple, Barfine. Je crois que c'était qu se... ça. Euh... Ah, puis... <laughs> il y a le papier peint par défaut de Windows. Ça, je ne comprends pas. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il avait Ivan Peut-être que son frère, c'était pareil aussi. Ah, Yvan, on voit pas son papier peint. Je me demande si Yvan, il n'a pas lui aussi le papier peint par défaut de Windows. Écran 800 x 600. Oh non, non, les, les icônes seraient plus gros, je pense. Royrim03 qui dit jamais changé depuis l'installation, pareil. Mais, com mais comment est-ce que vous faites pour vous regarder dans le miroir Vous vous levez le matin, vous vous rasez et vous ne vous dites pas euh, oh, j'ai gardé l'écran j'ai gardé le, le fond d'écran par défaut de Windows. Non, il faut vraiment que je change. Mettez-vous une, une couleur, un gris par exemple, un beau petit gris qui, qui part un peu vers les rouges, c'est beaucoup plus élégant. Oui, shame, exactement. Il n'y a pas le message comme quoi euh, Windows 10 n'est pas activé sur le bureau. Alors, je, je crois effectivement qu'il y a le message. On va pas insister là-dessus. Regardez, on va faire ça. Non, non, c'est bon. On ne veut pas qu'il ait d'ennuis. Hein. Merci Setski pour le prime. Un pouce euh, frérot Setski, merci pour le soutien. Euh, ok, alors... Bon, c'est euh, quand même un beau bureau. C'est quand même un beau bureau parce que c'est custom, quoi. Voilà, il y a la petite bibliothèque qui est magnifique. Des rideaux et des beaux rideaux. Et ça, on en voit rarement, euh, les beaux rideaux. Et regardez si vous regardez bien, vous voyez qu'ici, il y a son voisin qui l'espionne. Regardez, on le voit, c'est un tout petit monsieur. Je vous... Regardez, là, on voit ses yeux. Voilà, il est comme ça. Son nez, sa bouche. Et il l'espionne. Voilà, ça faudra lui signaler à Laurent Godet, hein. il se fait espionner, regardez, là il y a la main, voilà, et il est comme ça, il l'espionne, voilà. Vous voyez, là il y a son, je sais pas, là il a peut-être une chemise, un truc comme ça, avec des petits boutons, là, là il y a une petite pochette, voilà. Attention, peut-être euh, quelqu'un d'une maison d'édition concurrente qui essaie de lui copier ses manuscrits, ça se fait, le milieu de la littérature, vous savez, c'est euh, sans pitié. Ce bureau raconte des tas d'histoires, dit Catel69. Euh, oui, non, mais il, il est beau. C'est un bureau élégant, euh, bordélique. Ah, oh, regardez ça. 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 J'ai pris concours de littérature et j'ai des crasse-pouillis euh, sur, mon, sur mon bureau. Vous savez. Ah je dis, si, si ça sert à ça d'avoir des prix Goncourt, eh ben moi, je, je préfère ne pas en avoir. D'ailleurs, je vous le dis, hein, euh, si un jour on me donne un prix Goncourt pour l'ensemble de mon œuvre euh, à Canard PC, ou, ou même un prix Nobel de littérature, hein, parce que j'étais dans la shortlist plusieurs années, je le refuserai. Hein. Je refuse d'être dans le système comme ça. Je refuse de faire partie euh, de cette petite cabale littéraire où on se donne des prix et tout. Non, pas pour moi, pas pour moi. Moi, je veux rester... Euh, je veux, je veux rester un auteur hors système. C'est important euh, c'est important pour moi. Alors, qu'est-ce que je voulais voir d'autre euh... Ivresse de la métamorphose de Stefan Zweig. Ah, Stefan Zweig. Stefan Zweig, euh, si vous ne connaissez pas, très bon auteur. Un auteur feel good. Un auteur euh, vraiment qui a fait euh, plein de romans que quand tu les lis après, tu te sens, tu te sens plus... C'est des romans vraiment qui sont qui sont sympas. Euh, il s'est suicidé euh, Stefan Zweig. Alors Stefan Zweig un truc rigolo. Moi je dis Zweig oui. Comment faut-il dire? Zweig? 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 Zweig oui c'est lui qui a fait Leave Love Love de Stefan Zweig et euh, il s'est suicidé pendant en 39-45. Il s'est suicidé pendant 39-45 tellement il était déprimé euh, de voir que son pays était tombé euh, sous le joug du nazisme et ce qui est con parce qu'il aurait attendu trois ans de plus et puis euh, et puis c'était bon quoi c'était terminé. Sous le volcan, T.E. Lawrence, donc la oui-oui à la plage, fantomètre contre fantomas. Ouh, Ouh je ne l'avais pas vu, regardez-moi ça. Ouh là 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 là, ça c'est la fameuse. La fameuse bannette à bordel, la fameuse bannette à câble. Bien mise en évidence, avec juste à côté des petits classeurs, là, la zone administrative bordélique, on la connaît, elle est là tout le temps, en permanence. Les enceintes ont pas... Oh Il y a la freebox free sur le bureau, j'avais pas vu. Il y a la freebox sur le bureau. Et là, il y a encore du bordel de câbles. Ah ça, c'est les, les manuscrits, ça. Ça, c'est le prochain roman, ça. Le prochain roman qui va s'appeler euh... « Sous le soleil d'Escorta 2 de... ». La vengeance. Ouais, je vous, je vous le file en, je avant-première parce que je suis un peu dans, je suis un peu dans le secret. Euh, en fait, alors c'est tous les personnages du, du Soleil d'Escorta euh, qui reviennent, mais sous forme de cyborg C'est assez impressionnant. Moi, j'ai lu les premières pages. Euh, c'est alors c'est complètement différent de ce qu'il fait d'habitude. c'est de la, c'est de la hard tech, de la science-fiction. Euh, mais ça va, euh, c'est ouais, étonnant. Beaucoup de scènes de combat avec dans des vaisseaux spatiaux, euh, c'est étonnant. Il, il est parti dans une nouvelle direction. Ma mère, ma mère, à chaque fois que je vais la voir, elle me fait, elle me fait tout le temps le même coup. Elle me dit. Euh, alors, euh, ça va le boulot Je, Ouais, ça va. Euh, merci Fidel Gastro euh, pour, ton, pour euh, ton 11e mois d'abonnement. Un pouce ou euh, frère au fidèle. Je dis, oui, oui, ça va, le boulot et tout. Et Yvan, euh, ça va, il va bien. Je dis, ouais, ouais, euh, Yvan, il va bien. Et là, toujours, elle me fait. Oh J'ai lu le dernier roman de son frère. Qu'est-ce qu'il écrit bien, cet homme-là? Toujours, à chaque roman elle me le fait, systématiquement. Alors que moi, petit artisan de la plume, qui écrit des milliers des milliers d'articles. Pas une seule fois, elle m'a fait oh J'ai lu ton dernier test de Carbal Space Programme. Qu'est-ce que t'écris bien Pas une fois. Pas une fois. Laurent Godet, y gribouille trois phrases euh, sur un post-it Ma mère est en extase. Moi, ça fait 20 ans que je trime, que j'essaye de faire des tournures de phrases élégantes, d'utiliser un vocabulaire raffiné, euh, de, de jolies métaphores. Rien. Non, je suis pas jaloux, mais je trouve ça je trouve ça un peu dommage que voilà, il y en ait que pour les romanciers. Alors oui, effectivement, c'est des belles histoires, on t'emmène dans les plaines d'Afrique, on invoque les, les généraux de la guerre civile américaine. Oh là a, bon, oui, c'est oui, non mais oui, oui, bien sûr. Mais j'ai envie de dire euh, vous savez euh, écrire un dossier sur les modes de City Skyline, ben, je trouve que ça demande autant de talent. Voilà, je referme la parenthèse parce que je veux pas Mais bon j'ai l'impression que quelque part, Laurent Godet m'a un peu privé de l'amour de ma mère. Est-ce que ça se reportera sur le jugement Je ne sais pas. On verra. Et d'ailleurs, on va y passer. Alors. Attentat au cable management. Le bordel, oui. Il y a trop de feuilles. Il y a trop de feuilles. Bordel avec circonstances aggravantes. Alignement, bien sûr, fraude à l'alignement, parce que les bureaux fléchent, on n'a jamais vu ça. Je vais mettre aussi un coup et blessure sur genou, parce que regardez, vous êtes Laurent Godet, vous êtes ici, bon, vous écrivez comme ça, là, hop, voilà, voilà avec vos mains, hop, hop, et là, vous avez. Bon, voilà vos genoux comme ça bon voilà vous avez votre fauteuil ici et là vous vous dites ah bah tiens j'ai besoin de consulter un document sur l'autre la, sur partie de mon bureau pour savoir ce que j'écris à l'écran et là vous voulez tourner comme ça donc vous voulez faire ce qu'on appelle une, bah, une, une rotation biologique donc vous voulez tourner comme ça sur votre bureau mais bah, qu'est ce qui se passe les genoux, les pieds ici ça tape. Il est plus petit que J.B. moi <laughs> bon, je crois qu'ils font sensiblement la même taille. Je me souviens plus trop. Euh, donc vous voyez, ça, 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 marche pas. Ça marche pas. Et c'est pour ça que, c'est pour ça qu'il y aura euh, un coup et blessure sur genou. Ça saute aux yeux. Ça saute aux yeux. Il euh, n'y a pas de dissimulation de preuves. Il a bien tout pris en photo. Il n'y a pas de corruption. Si, si, ça c'est de la corruption. Ça c'est de la corruption. Il, il, il incite le juge à, à renier ses idéaux. Et ça, je ne le supporterai pas. Bon, vous savez, le tribunal de bureaulogie, euh, on a un cœur, et il y a un truc euh, qui est très important pour nous autres, les magistrats, c'est de ne pas séparer les familles. Et euh, vu que son frère est déjà en prison, on va aussi l'envoyer au C'est pour son bien, ça lui fera plus de temps pour écrire son nouveau roman. On va lui faire une petite cellule avec un petit cahier, un petit stylo, et puis il pourra écrire euh, "Le Soleil des à 2", "La Revanche des Cyborgs". Et ça sera très bien. Euh, un poussou à euh, Laurent Godet, c'est très, super gentil de nous avoir envoyé euh, son bureau. C'est rare, hein On voit rarement. Euh... Enfin, moi, j'avais jamais vu le bureau comme ça d'un vrai écrivain, quoi. Un vrai de vrai, quoi. Pas, pas d'un écrivain, euh, vous savez qui. Va publier son roman bientôt, mais là il est en train de le terminer. Non, de quelqu'un qui, euh, de quelqu'un qui est qui est qui fait vraiment partie du, du paysage littéraire français. C'est exactement comme ça que je l'imaginais. Hein. Franchement, euh, le petit le petit PC dans un coin, mais un, un, tout discret. Euh. Et puis du papier, du papier, parce que les écrivains, bah c'est quand même un peu tous des détraqués et ils ont besoin de papier, euh, de trucs euh, de trucs comme ça. Euh, il fait pas de, il fait pas de, oui pardon, il fait pas de Twitch, euh, il streame. Il pourrait, streamer, euh... il pourrait streamer sur Twitch, euh, par exemple, l'écriture d'une page. Ça serait intéressant enfin, Je ne sais pas. Est-ce que ça serait intéressant Est-ce que vous regarderiez un écrivain connu qui Twitch euh, l'écriture d'une page D'une seule, hein, parce qu'évidemment, s'il Twitch tout le roman, au bout d'un moment, euh... Alors vous dites oui, non. Il y a Madlolo, il non. Malolo, lui faut du Battlefield 2042, il, chez... il veut aller chez Daz. Non, non. Non, vous n'avez pas envie de regarder des écrivains streamers. Eh bien, écoutez, euh, eh bien, tant pis pour vous. Ah, s'il y en a qui disent grave, si. Non, on va pas faire un sondage. Allez, on va au suivant. Alors, le suivant, je vous laisse deviner de qui il s'agit. On est dans l'insulte, on est dans la toxicité, évidemment c'est Monsieur Toze. Évidemment. Voilà. Voilà, GoToz qui n'a jamais supporté que je mette 8 sur 10 à Hitman Absolution, alors que c'est le meilleur des Hitman, hein, parce que tous les autres Hitman c'est des point and click Mais faut pas le dire, faut pas le dire. Bon, bon, 7 sur 10 c'est Solner. Bon. C'est discutable. Il y a des bas. Il y a des bas. Euh... Voilà. Eh oui. Ah ben bah non, mais. On le savait qu'humainement Goto, c'était pas quelqu'un de bien, mais euh... tout de suite, ça se voit. Tout de suite, ça se voit ici. Oui, bien sûr, tentative d'intimidation. Ah non, mais ça il va payer, hein. ça, Bien sûr, bien sûr qu'il va payer. Alors, le bureau de Monsieur Toze, de son vrai nom. Patrick Edmond de Saint-Sauveur de château -Gothose. Oui, parce qu'il vous fait croire, moi je suis un homme du peuple, j'aime le jeu vidéo et tout. Non, 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 non. J'ai sa fiche d'état civil, son vrai nom, Patrick Edmond de Saint-Sauveur de Château-Gotose. C'est une vieille famille d'aristocrates. Euh, enfin, vous lui en parlerez lors de ses streams. Euh, il vous dira ah non, je, moi je viens du peuple. Non, 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 non. Pas du tout. Vous croyez qu'il est rentré comment sur Twitch Il a été pistonné. Moi, je le sais, moi, je le sais. Non, mais de toute façon, Twitch, on le sait, c'est Magouille, Piston et compagnie. Ne vous faites pas d'illusions là-dessus. Alors, malheureusement, malheureusement, c'est pas, euh, c'est pas un bureau euh, dégueulasse. Alors c'est un bureau de Matu Vu, mais on sait bien que Gotos c'est quelqu'un de Matu Vu. Oh, bonjour, c'est moi Gotos, j'ai la voix grave. On le connaît, on le connaît. Mais euh, merci Gotho 33 Evonyaurt. Un pouce sous euh, les frères, merci Gotho 33 pour le soutien. Alors évidemment c'est rangé. C'est rangé, pourquoi c'est rangé Parce que moi je connais un peu l'équipe de Gotos, hein, ils sont 70. Vous savez que Gotos a des assistants, et les assistants de Gotos ont des assistants. Hein. C'est très pyramidal. Et, et alors, lui, Gotoz, il est au sommet de la chaîne. Et alors, un truc que j'ai appris, que m'ont dit les membres de son équipe, il refuse que les membres de son équipe le regardent dans les yeux. Ouais. Et comme ça. Euh... Est, vous savez, les gens des fois. Ils... Bon, enfin, je, je juge pas. Hein, mais moi je, moi, je, trouve ça, euh... je trouve ça bizarre. Alors, alors pourquoi m'as-tu vu Bah, regardez ça, hein. Monsieur ne se contente pas d'un stream deck comme nous autres, les, les petits artisans de la presse papier. Non, il lui faut deux stream decks. Merci, euh, pas de boule pour le prime. Un pouce ou, euh, frérot, pas de boule, merci pour le soutien. C'est. Euh, quelle insolence, quelque part, d'avoir deux stream decks. Moi, je. Je pense aux gens qui ont du mal à boucler leur fin de mois, et qu'est-ce que je vois Je vois quelqu'un qui a deux Stream Deck. Il a un beau clavier mécanique. Oh, il a un clavier mécanique. En plus, c'est un custom, ça, je pense. Hein. <laughs> Regardez ça. DT990 Pro, c'est le... les Bayard Dynamics, c'est ça Merci, Dédé L'embrouille. Un pouce sous, euh, frérot Dédé, merci pour le soutien. Il m'oblige à me lever tous les jours à 6h du matin pour préparer ces news, même quand j'ai la tuberculose car je dors dehors. Mais ça m'étonne pas, Vanier. je te dis, moi, tous les échos que j'ai, c'est que son équipe de 70 personnes, ils sont vraiment exploités. Ça, c'est un Bayard... Ouais, Bayard Dynamics, évidemment. Alors, juste, on va mettre les étiquettes de prix. Bon, ça, Stream Deck, euh, 500. 500 euros. Ça, Stream Deck XL, moi, le mien, je l'ai payé 1650 euros. Bayard Dynamics, 3080 euros. Clavier custom. Alors, il paraît que... Alors, c'est un clavier mécanique custom. Il paraît que... Ça, c'est son équipe qui me l'a dit. Ces touches ont été sont recouvertes euh, en, peau d en peau de bébé phoque orphelin. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont euh, au Pôle Nord tuer des bébés phoques, orphelins, évidemment, parce que... Voilà. Et ensuite, ils font des espèces de, de touches de, de ce qu'on appelle des artisans de keycaps. Avec, euh, avec la peau de ses bébés phoques. Et Gothos ne supporte que de toucher euh, des, des touches de clé mécanique qui ont euh, cette peau très douce de, de, de bébés phoques orphelins. Donc, ça, c'est du 8000 euros minimum. Je vous le dis. Hein. Voilà. C'est est importé d'Islande. Euh, voilà. il, bah, il a une souris relativement pourrave. Ah, ben bah ça, ça me fait plaisir. Alors, ça, c'est une souris médiocre. C'est une logitech dégueulasse, beaucoup trop lourde. C'est tellement à l'image de, de Gotos. <laughs> euh, Gotos fume. Alors je vous le dis franchement, ne fumez pas. Ça, ça m'énerve. Vraiment, quel exemple donner à la jeunesse Enfin bon, je referme la parenthèse. Euh, évidemment, il a le, le micro... Euh, le petit micro SMB, je crois que c'est le SMB7, celui-là. Hein, tranquille. C'est pas le moins cher, hein. C'est pas du, du 49,90 sur Amazon. Tranquille. Alors ça, il a une gourde avec des chats pour se donner un côté humain. Il veut vous faire croire qu'il aime les chats. En fait, moi je le sais, par son équipe, il déteste les chats et, et, les, et les bébés phoques orphelins. Bon, il a un. Ah, il a un très beau. Euh... Putain, il a un très beau Herman Miller, hein. C'est un iron, ça. Oui, c'est un iron. Mais en fait, euh, la a l'air différente. Je crois qu'en fait, ça doit être le remaster. Donc, la nouvelle version. Quelle indignité. Évidemment, comme tous les journalopes bobo parisiens, il a un bureau assis debout. Hein. On le voit ici. Alors. Moi, ce, moi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'avant, en fait, il avait juste un bureau normal et il, quand, il voulait, quand il voulait le mettre en position debout, il demandait à des membres de son équipe de le tenir à bout de bras comme ça pendant des heures. Bon, au moins, il, il améliore il améliore leurs conditions de travail, ça, c'est plutôt positif. Il a un, deux, trois gamepads, euh, ça, c'est pour, pour nous faire croire qu'il jouait avec des amis, mais moi, de ce que j'ai entendu, euh, gotose a très très peu d'amis. Euh, alors, textuellement, ce qu'on m'a dit, c'est Tu sais, gotose n'a pas d'amis, il n'a que des employés. C'est pas moi qui le dis. Et évidemment, évidemment, il a le truc euh, anti-bruit qui sert à rien. Classique. Tellement m'as-tu vu. Il a deux lumières. Deux lumières. Quelle, quelle opulence. Quelle opulence chez ces puissants. Quelle opulence. Il a. Tiens, c'est quoi sa caméra, je suis curieux? Euh... Ah, oh, ça va être un petit Sony, euh, d'accord, ok. Ouais. C'est vrai qu'il a une belle image, Gottose. Hein. Enfin, pas lui, hein, je veux dire, le, le, le tour. Euh, c'est vrai que c'est bien travaillé. C'est très battu vu. C'est une Sony Alpha 6000 qui vaut 6000 euros, donc euh, probablement. Oui, il a deux casques. Il a deux casques, attendez, j'en ai vu. Oui, il a deux casques. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Le bureau a l'air bien, j'aime bien le bois. Euh... Ah, il a la tour ici, c'est étonnant. Bon, ça c'est une fractale, une fractale blanche. Okay. Là, il a des petits dessins qui sont sympas. Okay. Ah, oh, le salaud. Le salaud, il a des gaines de rangement de câbles. Ah, le salaud. Ah, le chien. Ah, je supporte pas ça. Ah, regardez ça. Quel être veulent. Je, je pensais pas qu'on atteindrait un tel niveau de vilainie, mais alors, entre les insultes, euh, le clavier en peau de bébé phoque orphelin, et les gaines de câble, rien ne me sera épargné, hein. Moi, je voulais faire une émission Bon enfant et, et non. Euh, ça sert à quoi Ça, c'est un truc pour mixer. Oui, Go Xlr Ouais, je crois que a... ouais, okay, d'accord. C'est un truc pour mixer avec le avec le micro. Euh, moi, j'en ai pas besoin parce que moi, je suis un petit artisan de Twitch et j'ai pas. Vous savez, moi, j'ai pas besoin de ces artifices. Moi, ce que je vous donne dans un dans un stream, c'est le habou euh, brut de décoffrage, le hackbou authentique. Vous remarquerez qu'en fait, avec ça, on se rend compte que Gotos en fait est beaucoup dans l'artifice, euh, beaucoup dans le camouflage, beaucoup dans la transformation et euh, je trouve pas euh, je trouve que c'est dommage tu t'es pas dans l'overacting toi Divinek. bah ben oui voilà je, je suis pas du tout dans, dans l'exagération ou la parodie moi je, je suis comme ça je suis voilà c'est moi ce que vous avez c'est moi parce que Ma priorité c'est votre satisfaction. Goto c'est tout dans les apparences. Hein. Bonjour, je suis Goto, j'ai la voix grave, euh, j'ai des lumières colorées derrière moi euh, et là maintenant euh, nous allons parler de la bande son euh, d'un jeu auquel personne n'a joué en 83 euh, composé par Matsuki euh, Famakuta euh, et je vais vous la faire écouter. T'écoute la bande son. Et il fait, oh, c'est génial, c'est génial. J'ai écouté les enfin, j'écoute de temps en temps les démons de midi qui présentent avec Pipomantis, on fait un poussou d'ailleurs. Poussou et Pipomantis. Euh, son compère Pippo Mantis. Dans les Démons de Midi, juste une parenthèse, hein, merci Jean-Vert pour le prime, un pouce euh, frère Offrat, dans les Démons de Midi, pas une fois ils ont passé du Francis Cabrel ou du Kids United. Ils font comme si ça n'existait pas. Alors, de la bande son de Final Fantasy avec des violons larmoyants et tout, en veux-tu, en voilà, qui mieux mieux mais il n'y a que ça. Ils ont un spectre musical qui est extraordinairement limité. Alors que Francis Cabrel, je veux dire, entre la bande son de Battlefield et la bande son de Super Mario, ça passe. C'est de la poésie. La poésie, ça, ça va partout. Eh ben non. Jamais. Pas une fois. Ça en dit long sur ces sinistres personnages. Bon, bah écoutez, le bureau de Gotos, euh, je... voilà, malheureusement, euh... malheureusement c'est un beau bureau. Hein. Alors c'est pas lui qui l'a fait, hein, c'est son équipe. Hein. Il n'a rien installé. Par exemple, c'est pas lui qui a mis les gaines autour des câbles. Il a des, des gaineurs de câbles. Il en a quatre qui travaillent à temps plein pour lui. La barre de tâche à gauche. Ah, c'est intéressant Est-ce qu'il a la poubelle quelque part oh. La barre de tâche à gauche, bah oui, comme tous les détraqués. Mais classique. On n'en attendait pas moins de gotose. Que... Ah oui, partout, à gauche sur tous les moniteurs. C'est étrange de la mettre à gauche. Il est ga... Il... Vous savez s'il est gaucher ou droitier, euh, Gotose? S'il est gaucher, ça se comprend. S'il est droitier, c'est un. Déviance révélatrice, d'Israël. Bah oui, tout à fait. Eh oui, la souris à droite. Ah non, regardez un petit peu. Ça, c'est la perversion. Hein. Ça, ça montre un petit peu à quel point son esprit est, son esprit est corrompu par le mal. Donc c'est un droitier, il met sa barre des tâches à... à gauche. Jamais vu ça. Bon, au moins il n'a pas de corbeille sur le bureau et il a même pas un seul icône sur le bureau. Je peux même pas me rattraper à ça, ça me désole. Attendez, je vais essayer d'entrer dans un truc sur lequel je pourrais éventuellement me rattraper pour éviter une relax. Oh, même le sol a l'air propre. Ah, le sol, il est clean. Il n'y a pas peut-être un petit peu de poussière sur le... Ah là 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 ah, le, le... Même le tapis, il est bien aligné, là. Il n'y a, a, a même pas un millimètre d'écart. Quelle intimité. Là aussi, regardez, il a la gaine de câble, là. Ah, le salaud Switch plus PS5, dit Fougnon. Ah mais voilà, il stream des trucs comme ça, donc euh, pff, ah, on ne peut pas lui en tenir compte. Il hein. n'y a pas de sous-vert. Ouais, c'est difficile, difficile de justifier, euh, de justifier une non-relax parce qu'il manque un sous-vert sous la... Non, j'aurais voulu un peu, un peu de cracra, mais c'est propre, c'est aligné, les câbles sont bien, il n'y a pas de facture EDF qui traîne, il n'y a pas de, de, de pot à stylo mal assorti. Bon, on va, lui mettre, on va lui mettre ça, mais pour l'ensemble de son œuvre. Voilà. Parce que c'est gothose. Parce que c'est gothose, on lui met ça. Vous savez, si nous, on sait pas pourquoi on lui met un acte de barbarie, une atteinte à la dignité humaine, lui, il le sait. Son équipe le sait très bien. Tentative de corruption. Bah ben non, mais il me crache à la gueule avec ses fonds d'écran, là. Non, il essaie pas de me corrompre. À la limite, je pourrais lui mettre un outrage à magistrat, mais j'ai pas, pas la condamnation. Ah, ça me fait mal, hein Ah, quelle douleur. J'ai même pas envie d'être à l'écran. Non, c'est moche. C'est moche. Mais bon. J'ai fait un serment. Hein. J'ai fait un serment bureau euh... voilà. Je suis pieds et poings liés par les textes de loi. Et malheureusement, un très beau bureau. Il est très propre. Il est bien organisé. Il est bien rangé. Euh, J'ai honte de le dire. Mais je pourrais m'asseoir sur ce bureau et travailler. Je pourrais, euh, je pourrais faire un stream. Voilà. Je ferai un stream, il y aurait des petites lumières colorées derrière moi, je fais bonjour, c'est moi Agbou, j'ai la voix grave, aujourd'hui on va parler de la bande-sonde. Qu'est-ce que vous voulez Encore un an sous le joug d'un tyran, j'avais foi en vous, monsieur Agbou. Bah, eh, syndiquez-vous, hein. allez voir Sudrail, moi je serai vous, j'irai voir Sudrail. Non, je pouvais... il n'y a, a pas un truc qui dépasse. Il est, il est aussi psychorigide que moi. Donc euh, voilà, il y a tout qui est bien propre, bien aligné. Euh, regardez les moniteurs, c'est les mêmes. Tout est bien. Un sale moment, un sale moment. Non, les murs, non. C'est même pas moche en plus son truc, parce qu'il a, il a le, même, le, le même, format de, le même format de mousse anti-bruit un peu partout. C'est, bien collé. Il y a pas de truc qui dépasse. Il y a pas de toile d'araignée. Il y a pas de. Non, c'est propre. C'est propre. Ouais, Twitch. Von Yaourt euh, crée un syndicat, a demandé à Sudrail de faire une, une branche Sud Twitch, et puis syndiquez-vous, là, vous êtes 70 en plus, la CG Twitch, voilà, comme Dimitri rentre. Ça sera très bien. Bon, on fait un gros pouce ou au frérot Gotohs euh, bon, je pense que tout le monde sait ce que fait Gotos, hein, sa chaîne Twitch. Euh, il est en direct euh, les matins. Je dis peut-être une bêtise, je crois que c'est à partir de 10h le mardi et le jeudi. Mais je dis peut-être une bêtise. Mais je sais que c'est deux matins par semaine. Donc si un... 9h30, pardon, 9h30 le mardi et le jeudi, c'est ça Et puis il fait d'autres streams, euh, streams de temps en temps sur des jeux en particulier, euh, tout ça, le matin il fait une émission euh, 9h lundi à jeudi, oh putain ça bosse, il fait ça 9h tous les jours jusqu'à la fin des temps, <laughs> ça bosse, ça bosse, enfin ça bosse, c'est son équipe qui bosse, hein. c'est 70 personnes hein. qui sont payées au lance-pierre d'ailleurs 9h tous les matins, sauf vendredi à 13h. Ok, d'accord. Donc euh, voilà, Yaoli qui vous met le, la chaîne Twitch de gotose euh, prenez des subs, tout ça, et on lui fait un gros poussou, et on passe au suivant. Et là, je vous laisse deviner. Merci à toi, Gotoz. Merci d'avoir envoyé ton bureau. Alors, qu'est-ce que vous me dites euh, bah Speed Fusion a trouvé tout de suite. Effectivement, c'est un bureau germano pratin euh, C'est le bureau chez lui de Monsieur euh, Louis-Ferdinand Sebom. Euh, Alors, bon, j'ai qu'une seule vue. Moi, j'imaginais, j'aurais imaginé un bureau un peu plus littéraire, parce que vous savez, Sebom, il a fait Cagne, Hypocagne, Super Cagne, Ultra Cagne. Euh, c'est quelqu'un qui vous récite, euh, qui, qui vous cite du Dostoïevski comme ça, quoi, à brûle pour point. Hein. Des fois, on lui demande euh, C'est bon, mais, euh, tu veux quoi comme burger Et là, il nous dit oh, ben, Comme disait Dostoïevski, euh, je veux un burger qui flotte sur les rives de la Neva, euh, telle euh, l'âme triste des peuples slaves. Et on dit Ok, mais tu le veux saignant ou à point Ah, oh, mais euh, savez, comme l'a dit Tolstoy, c'est voilà, ça les les Conversations avec ces Il est très très littéraire. Merci Yanukovych. Un pouce sous, euh, frérot, frérot Yanukovych. Merci pour, le... Merci pour le, le soutien. Il a plus de doctorat que <laughs> dit euh, Gorioni. <laughs> oui, c'est ça. Alors, c'est un rez-de-chaussée qu'il a Attendez, c'est un rez-de-chaussée ou c'est une terrasse avec de, de la, du faux gazon Il faut que je sache. Non, c'est du faux gazon, ça. Oh c'est a du faux gazon chez lui. Est-il là, C'est Bob Je, je l'avais vu tout à l'heure, mais il est peut-être parti dormir. Ou lire un, lire un livre, probablement. Ça a l'air d'être de la fausse pelouse sur une terrasse. Oh. Oh. Si je m'y attendais. Pour le mini golf, sûrement. Alors, vous, je vous vois tous gueuler sur le chat, sur l'écran 4 tiers. Bah, moi, je trouve pas ça, euh, je trouve pas ça idiot en tant que second écran d'appoint. Euh, ça me choque pas. Parce qu'en plus, ça, c'est un truc, soit que tu récupères, euh, soit que tu achètes dans une brocante à 40 euros. Et si ça marche... Moi, mais bah à limite, mais je trouve ça assez joli, en fait, le, ce format 4 tiers un peu rétro. Euh à toi, on brasse pas comme ça. Non, mais pour, pour les mails, pour mettre un stream, pour mettre un truc comme ça, ça va très bien. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un écran 31 neuvième. e Moi, ça ne me, ça me gêne pas. Alors après, c'est un. Là, on voit. On, on, on le voit, le littéraire. Hein, c'est quoi ça C'est la couverture de la. Je, je sais pas, parce que j'aime pas les bouquins. Moi, les bouquins, c'est souvent des, des élucubrations de gauchistes, donc j'en dis jamais. Euh, ça, c'est la NRF, c'est ça Dites-moi si je dis une bêtise. Ou c'est la. Non, c'est pas la Pléiade. Si, ça... non, c'est pas la Pléiade, ça. C'est pas le format de la Pléiade. Merci, Santa Cruz79. Un pouce frère frérot, frérot. Merci pour le soutien. En dessous du 34 pouces, c'est inadmissible. Alors. Euh, lui il a un beau stream deck, il a un petit truc papier très bien. Comment est-ce qu'il a organisé ça Pourquoi est-ce qu'il y a un truc ici, là, en dessous Je ne comprends pas trop comment c'est fait. Merci Nathaniel33. Un pouce sous, euh, frérot euh, Nathaniel. Merci pour le soutien. Il ne me semble pas que ce soit la police de la collection blanche, de loin. OK. Euh, il a la badoie, parce que autant Yvan est sans paix, c'est euh, Bob, il est bad. Il dit Moi, moi je veux au resto, il dit oui, Je veux une, une, une petite bad. Une, une badoie, bad, ouais, monsieur Ouais, c'est ça, une bad. Une bad. Euh, non, il y a des trucs étonnants. Alors, il y a cette petite plateforme-là que je ne comprends pas trop. Je vois pas d'où ça vient, en fait. Je vois pas à quoi c'est relié. Astuce biologique, votre second écran tourne en mode portrait fait deux écrans Katia. Exactement, secteur donne. C'est ce que j'ai, moi. J'ai un écran euh, 20, euh, 16 neuvième en, en format, euh, comme ça, format euh, vertical, et, et c'est très bien. C'est très bien. C'est une méthode de solfège. Le dent de l'eau, le bouquin, pas un NRF. Attendez. C'est une méthode de solfège. Il apprend le solfège, c'est bon, mais je ne savais pas. Cet homme a tellement de talent. Je ne vois pas marquer solfège, là. Je crois que ça se termine par ic. c'est peut-être musique, un truc comme ça. Bon, enfin bref. On va dire que c'est du Dostoyevski, euh, ou, du... ou c'est probablement le dernier roman de, de Christine Angot. Il est très Christine Angot, il adore Christine Angot, c'est bon. Euh, alors donc, il y a ça qui est bizarre, que je ne comprends pas, même si c'est la pratique d'avoir cette petite plateforme pour poser des trucs. Ça... Vous croyez que c'est un truc qui se déplace Je ne vois pas l'intérêt. Aidez-moi. C'est qui liste une méthode de lecture de notes. OK, d'accord. Donc un truc euh, Doctorat de solfège, tout à fait. Non, c'est pas un clavier Mac euh, et Lind. C'est pas un clavier Mac. C'est un clavier chéri ça. Il me semble de mémoire le, le, petit, euh, le petit icône là, le, petit, le petit logo. Je crois que c'est Cherry ou euh, pff, Non, c'est pas Cherry ça. Enermax Peut-être Enermax. Euh, il a liqué à Marcus, ok. Il m'a l'air d'avoir. Ça, ça m'a l'air d'être une boîte à câbles, mais j'en suis pas sûr. Ça pourrait être une boîte à câbles. Euh... Là, il y a. Je sais pas ce que c'est, ça. Il est très étrange, ce bureau. Il... Mais il est comme, il est comme... Il est comme ses bon il est étrange. Il... il est en dehors des sentiers battus boîte à câble en bois d'armes, ouais peut-être Ça c'est quoi Bon là, il y a une agrafeuse. Là, il y a des papiers, il écrit son, il écrit son, son futur roman. Sur quoi repose l'écran principal Eh ben, je sais pas. Ça c'est un métronome Non. Non, c'est pas un métronome. Non, c'est peut-être un non, c'est un chargeur pour téléphone portable peut-être. Pose téléphone tabatoire, ouais, c'est ça. Ben, en fait, je, je ne sais. Je ne réussis pas à comprendre la structure de l'écran, effectivement. Parce que, donc là, on a l'écran, ok, mais sur quoi repose-t-il Où est le pied de l'écran Il n'est pas là, il est. J'ai l'impression qu'en fait, il y a un autre meuble ici derrière. Un autre meuble peut-être comme ça. Et qu'en fait, il s'en sert euh, d'extension euh, de son bureau pour bien reculer son écran. Le pied, ça serait le socle gris sale. Là... Ah oui, si, 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 regardez. Oui, parce qu'il a l'air d'avoir un bel écran quand même. Il a un écran très... Qu'est-ce que c'est que cet écran d'ailleurs Pourquoi il a des bordures noires ici Qu'est-ce que c'est que cet écran Il y a un meuble qui bloque l'accès à la fenêtre. Ouais, l'accès à la fenêtre, elle a un peu difficile. C'est une télé, une télé mais pourquoi est-ce qu'il a une télé, ces bombes Pour tourner son écran en mode home cinéma, ouais. c'est bizarre. Je pensais, je pensais que c'était un homme sérieux et qu'il avait, qu avait un moniteur, mais il a une télé. Je ne même pas la marque pour oh, regarder le foot. Oui, c'est un fan de un fan d'Auxerre. Euh, c'est bon, souvent euh, il vient à la, à la, à la rédaction au-dessus de son bureau. Il y a un grand, une grande banderole. Euh, allez aux au c'est nous les meilleurs. Il est très très foot. Il me disait il y a pas longtemps que son rêve c'était d'être chroniqueur pour la chaîne L'équipe, vous savez, dans l'équipe du soir, parce qu'il s'y connaissait vachement. Chacun ses, chacun ses objectifs, moi je le respecte complètement. Euh, alors ici, c'est l'air très bizarre, et je crois qu'on n'aura jamais le fameux de l'histoire parce qu'il y a l'air d'avoir. Peut-être en fait qu'il y a un, un, un long meuble ici qui fait ça ensuite, mais ça m'étonnerait. Non, ça m'étonnerait qu'il y ait un meuble comme ça là. Je, je, je ne veux y croire. Je ne veux t'y croire. C'est bizarre. Hein Comment il va à la fenêtre ben, Il saute. Comme ça. Allez, je vous fais Sebum qui va à la fenêtre. <laughs> je le dessine super bien. Hop. <laughs> Pour aller jouer au mini golf <laughs> sur son. <laughs> sur son faux gazon. Il a un trois trous sur sa terrasse, donc euh, <laughs> il y va. Bon, plus sérieusement, je, je, je ne sais pas ce que m'évoque ce bureau. Euh, alors déjà, ce qui est bien, c'est quand même que c'est un bureau qui ne donne pas sur un mur, et ça, c'est assez rare pour être signalé. Tiens, on va voir la petite déco de ses pommes. Oh bah dis donc, il a un petit truc sur les oiseaux. Bah ça alors. Quelle idée farfelue. Ça, à tous les coups, c'est une fausse plante. À tous les coups, c'est une fausse plante. Euh, alors là, il a ces trucs spéciaux là. Il a un miroir. C'est pas très Feng Shui les miroirs dans les bureaux. Ah j'ai ouais, que ça comme vue. Ah c'est dommage j'ai que ça comme vue. une petite corbeille ici. C'est étonnant hein. C'est en fait oui je, je pense qu'il a, il a une extension de meuble ici parce que là son bureau on voit que ça c'est un bureau c'est un 60 cm. Et c'est trop petit en fait. Quand t'as un grand écran comme ça, il faut, il faut forcément euh, plus de recul. On voit pas le cable management. Euh, donc on lui mettra une petite dissimulation de prof. Mais c'est dommage parce que j'aurais bien voulu savoir si ça, c'était pas une boîte qui dissimulait tous ces câbles et, euh, et, et ces multiprises, ces trucs comme ça. Vous me parlez de loupe, mais je vois pas de loupe. Moi, est-ce que vous voyez une loupe Ça, ça serait une loupe À droite de la badoie? Ah ça, ça, ah oui, mais elle était énorme. Il a une loupe. Ouais, ouais il a une loupe effectivement. Et eh ben, je sais pas qu'est-ce qu'il peut regarder à la loupe ces pommes. N Nos âmes sûrement. Nos âmes. C'est pour mieux lire les romans de Doom. <laughs> sûrement pour faire brûler des fourmis. Oh, pour son petit livre de solfège. Mais il fait quoi comme instrument, vous savez S'il joue d'un instrument, c'est bon parce qu'il m'en a jamais parlé. Ça m'étonne qu'il apprenne le solfège, c'est bon. Il fait du piano. Ah ben non, ça m'étonne pas alors. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas qu'il fasse du piano. Ouais. Très bien. Bon, on fera, des... on fera des duos. On fera des quatre mains au piano. Je savais très bien en jouer quand j'étais jeune. Et puis ça fait 15 ans que j'ai... En 10 ans que je n'ai pas touché un piano, donc je pense que maintenant j'ai tout perdu. Euh, mais c'est très cool le piano, j'adore le piano. Franchement, c'est une activité super relaxante. Euh, ok. Un bureau étonnant, un peu spartiate, un peu vide, qui... Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est sûr que c'est pas du clavecin plutôt, ah oui, il est très, il est très, très clavecin. Alors, il y a effectivement, il y a l'air d'avoir un problème tal parce que j'ai l'impression que là, là, il y a des, y a des traverses. C'est vraiment étrange, ça ressemble à aucun bureau, ça... ça... Alors j'aime bien après la structure en elle-même, le bureau comme ça avec l'angle droit, c'est très bien, le, le, le bois il est, il est super joli... Euh, c'est propre, c'est clean, mais je sais pas. Il y a quelque chose qui me dit. Oh, oh, c'est un espace liminal. La fausse pelouse, c'est new. Ouais, mais est-ce qu'on est, 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 ce que, un juge, un juge en burologie, euh, est apte à, 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 à prononcer un verdict terrassologique Ouais, c'est ça, on dirait que Le bureau est à l'envers et puis il est, il est un peu trop fin. C'est étrange comme bureau. Il n'y a pas non plus beaucoup de trucs personnalisés, même s'il a ses petits trucs. Mais ça, ça c'est bizarre que Sebum, que je croyais être quelqu'un d'organisé, de, de rationnel, de propre, il met des, des papiers dans, dans tous les sens sur son, sur son, sur son mur. C'est bizarre quand même. Ça ressemble pas au sébum que je connais. Le sébum que je connais, c'est quelqu'un. Il fait du code. Euh, il est sérieux. Euh, voilà, y, voilà, c'est sébum quoi. Et là, il met des trucs pas droits à son mur. C'est Mr. Jekyll et Dr Sebom. La photo est prise au grand angle, j'ai l'impression ça fausse les perspectives, dit Oberwan. Ouais, peut-être. Peut-être. On tire une photo de Berlin-Est. Cela dit, c'est assez allemand. Ça a un style assez allemand. J'avais fait un Airbnb à Berlin, c'était ce style-là. Il y avait des trucs comme ça, il y avait ce genre de petits meubles. Les oiseaux, là. Mais si ça se trouve, est... il est passionné d'ornithologie, je ne le connais pas. Je ne le connais pas, Sebom. Ces bombes, c'est un mystère enrobé dans une charade. Absolument pas allemand, non. Bah, si, Agraël, si. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre à ce bureau qui n'a pas de défaut, mais qui, je trouve, n'a pas non plus de grande qualité Ça ça raconte pas l'histoire. On est d'accord. Enfin, ça raconte pas d'histoire. Il y a un livre de solfège, il y a un truc d'ornithologie, il euh, y a des papiers dans tous les sens, il y a une bouteille de badois, ça dit beaucoup de choses sur un homme, une bouteille de badois. Il y a une loupe. Qu'est-ce qu'on peut mettre euh... hmm. Bon, on, on, on peut mettre les câbles, parce qu'on voit qu'ici, quand même, là, le câble du. Le câble du, du micro, il n'est pas du tout organisé. Là, on voit que les câbles, ils ne sont pas joints. Là, il y a un câble qui dépasse. Ici, il y a juste un câble pourri. Euh, mais d'un autre côté, c'est sévère parce que ce n'est pas non plus le bordel. Mais on va le mettre quand même. Euh, L'alignement, il est bien. Les genoux, bah, jusqu'à preuve du contraire. Euh, non, ça a l'air d'être bon. Hein. Elle est où la tour C'est vrai qu'on n'a pas vu la tour. Même une, une petite dissimulation de preuve. « Ah mais justement, ça raconte pas d'histoire, c'est super louche que ça ne raconte pas d'histoire. » C'est vrai J'aurais imaginé plus de bouquins, moi, chez Seybaum. Là, j'aurais bien vu une, une grande... Euh, ici, il y a une grande bibliothèque avec plein de bouquins, euh, Christine Angot, euh, euh, Christophe Barbier qui écrit des bouquins, euh, du Éric Zemmour, la collègue complète d'Éric Zemmour, édition La Pléiade, évidemment et, et là, ça, moi, j'aurais. voilà, C'est pas un bureau de littéraire, en fait. C'est ça, c'est pas un bureau de littéraire, alors que Sebum, c'est bon, un littéraire. C'est un espace. É, 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 comment on dit Échérien, Escherien C'est-à-dire les espaces qui n'ont pas de, de vraie géométrie. Euh. C'est ça. C'est assez bizarre. Ça, c'est vraiment bizarre. Là. Cette espèce de truc qui part ici, et là, on a l'impression qu'il y, y a des lattes. Bon. Il a le Marcus Diker, on va pas lui mettre de, de, de coups et violences sur fauteuil. Bah écoutez, on va lui mettre. Euh je sais pas. La bibliothèque est derrière lui quand il stream. Ah, c'est dommage qu'on n'ait pas de vue de derrière. Relax. Alors qu'il y a une extension ici, là, que je trouve pas élégante. Alors que le bureau est un peu trop. Est un peu trop euh, et manque de profondeur. Alors qu'il y a une bouteille de badois. Alors qu'il y a une fausse plan. Alors que non, on peut pas mettre une relax. Il y a le faux gazon. Allez, c'est réglé. On va lui mettre un rappel à la loi. Un rappel à la loi pour le faux gazon et pour euh, voilà, la géométrie étrange de son bureau. On voit des traces sur son bureau, oui, effectivement, il y a quelques petites traces. Euh, mais euh, oui, effectivement, là, il y a quelques petites traces là. Si vous voulez vraiment couper les cheveux en quatre. Effectivement, il y a quelques petites traces un peu... d'un truc un peu cracra là. Mais bon, ça va. C'est pas les autres bureaux qu'on a vus. Euh... C'est dur, diso Francisco. Non, non, non. C'était pas une relax parce qu'il Il manque un truc dans ce bureau. Il manque quelque chose et je ne sais pas quoi. J'ai pas pu le définir, mais je trouve qu'il manque, un... qu manque quelque chose. C'est non euclidien, exactement, Janissaire. Euh, un poussou à euh, Sebum. On, remer... on le remercie de nous avoir envoyé son bureau et on va passer à la suite. Ah Est-ce que vous allez deviner qui c'est A tout de suite! Tout de suite, Nico s'il il a fait c'est Ultia, bim, allez, la petite souris, hop là. Effectivement, c'est le bureau d'Ultia. Euh, Ultia, donc, alors Ultia, euh, si, je, je, je pense que tout le monde la connaît, hein, mais c'est une streameuse. Euh, elle stream principalement. Là dernièrement, elle streamait du Backbone, qui était vachement bien. C était un, un, je connaissais pas le jeu, le truc, un, un truc euh, aventure narrative en pixel art euh, qui est sorti euh, quelques mois sur Steam. Su, jeu super beau avec un petit renard, euh, un petit, genre un, 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 un enquêteur renard. Euh, Je suis beau Et sinon, elle fait du The Sims 4, du Animal Crossing, du Pokémon, euh, enfin, voilà les trucs, euh, les trucs euh, classiques. On la remercie euh, chaleureusement de nous avoir envoyé son bureau. Et qu'est-ce qu'on peut dire Qu'est-ce qu'on peut dire Eh bien, on peut dire ça. Alors oui, on parlera du fauteuil. Euh, oui, oui. Mais alors, la cafetière Brita. On l'avait jamais eu c'est la... la première fois que j'ai une cafetière Brita euh, posée à même le bureau. Euh, alors pour ceux qui connaissent pas les cafetières Brita, alors, alors cela dit c'est vachement bien les cafetières Brita. Donc vous, vous, vous soulevez le petit truc ici, vous mettez l'eau là et en fait là vous avez, là, vous avez tout un système de filtre qui vous sort de l'eau euh, sans calcaire. Oh, j'ai fait un dessin technique là extraordinaire. Hein. C'est quasiment un cours de, un cours de physique chimie que je vous fais là. Euh, donc oui, bon pourquoi pas. Alors cela dit, il y a la cafetière Brita mais... Il y a le souvert. Il y a le et ça c'est bien. Euh, on a. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Qu'est-ce qu'on a d'autre Bon, on a le Stream Deck. Stream Deck Casu. Le Stream Deck version 15 touches. Moi j'ai le 32 touches mais je ne veux pas flexer. On a le même truc. Alors voilà, voilà. Ça, on a. Voilà, ça, on, a... on a la triptyque du streamer qui a réussi. On a ça qu'on a vu chez Gotose. Le SMB qu'on a vu chez Gotose et le, la, 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 la vraie caméra, au lieu d'avoir une pauvre Logitech à 50 euros comme, comme on a Canard PC, ça c'est les, les, les streamers qui ont réussi. On les connaît, on les connaît, pareil, Ultia, hein, c'est une équipe, alors c'est peut-être pas aussi pléthorique que chez gotose hein, mais Ultia c'est des équipes de 20-25 personnes facilement, hein. c'est des grosses machineries, hein. ça s'improvise pas, ça s'improvise pas. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre On a une jolie souris sans fil, ça c'est bien, on n'en voit pas assez. Euh, on a un clavier, alors c'est pas du custom, mais c'est un clavier méca, rétro éclairé. Je pourrais pas vous dire la marque ici, mais il est plutôt convenable. C'est un beau clavier, il est propre. Euh, j'aime bien le bureau. J'aime bien le bureau parce que j'aime bien le bois, et surtout j'aime bien les bureaux qui ont ça. Alors c'est pas le cas d'Ultia, mais moi j'aime bien les bureaux qui ont ça parce que quand j'ai trop mangé de pizza euh, Dr. Oetker euh, mozzarella fromage, placement produit, je suis payé 500 euros à chaque fois que je les cite, euh, et ben ça me, ça me fait une petite place euh, pour mon ça me fait une petite place pour mon bid vous voyez, je me dessine sur le bureau d'Ultia, voilà imaginez c'est moi, donc comment je suis moi euh, je suis comme ça, voilà, je me fais mes lunettes voilà voilà ma coupe, et puis je fais mon smile parce que je suis quelqu'un de super content, imaginez je prends place sur le bureau d'Ultia, mais en fait comme j'ai un gros bid, j'aime bien voilà, oui ça fait ça <laughs> c'est exactement ça en plus <laughs> Et là, je suis tranquille. Là, il y a ce qu'on appelle un espace stomacal. Voilà, c'est ça. En, en langage biologique ça s'appelle ça s'appelle l'espace stomacal. Et j'ai pas ça sur mon bureau qui est droit. Et souvent, après manger, je me dis ah, je, je voudrais bien un petit bureau avec le petit euh, le petit truc, la petite courbe comme ça. Alors, elle a l'air d'avoir un très très beau fauteuil. Euh, Est-ce que c'est un sale Est-ce que c'est un c'est pas un M-Body, je crois, mais c'est peut-être un M-Body parce que là, la structure, pour les, la structure de l'assise, là, c'est quoi C'est un M. Oh a l'embody gaming oh. Ah ouais. Ah, c'est le Logitech. Alors, c'est le fauteuil, en fait, que Herman Miller, le créateur de l'Aeron, a fait en collaboration avec euh, Logitech. Donc, en fait, c'est la base d'un M body qu'ils ont gamingifié. Ça coûte une blinde. Si vous voulez m'en envoyer un, vous m'en envoyez un. N'hésitez hein, en... pas, hein, je le prendrai euh, avec plaisir et il a l'air bien. Il a l'air super bien. Alors là, on ne le voit pas bien de dos, mais de dos, en fait, il est, il est... Il est aussi vachement classe. Euh, elle m'a envoyé une autre image. Voilà, on voit d'un peu plus loin. Ah, il y a la plante verte, c'est bien. Euh, ok, ok, ok. Ça, c'est original. On va l'améliorer, hein, comme d'habitude. Euh... Voilà, il est mieux. On lui fait des oreilles. Quel talent. C'est un, un NFT, ça. Hein. Ne, je vous interdis les captures. Je vous interdis de capturer ce que j'ai fait et de le vendre en NFT euh, 50 000 euros, s'il vous plaît. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Euh, alors. Ouh, c'est joli ça. Il y a une petite maquette, euh, une petite maquette déco. Oh, c'est mignon. Derrière, il y a une petite switch qui est cachée, parce qu'il faut toujours cacher ces switches, switch. et puis par contre... Là... Après, on va me dire, oui, mais tu n'as pas le droit de briser des vides. C'est pas que j'ai le droit ou pas. C'est mon métier. C'est la République qui me le demande. Oh, ça va jusque là. Regardez, ça, c'est ça. On, on imagine le câble la nuit qui rampe pour, pour prendre encore plus d'espace pour se rapprocher. La multiprise blanche là. Oh là là, là. Il y a tout. Il y, a, il y en a aussi là. Il y a des spaghettis ici euh, et il y a des spaghettis là. Ah ben là, c'est le c'est le restaurant italien. Là, vous avez le menu dégustation chez Umberto, vous avez les carbonara, la sauce basilic, sauce tomate, vous avez tout. Quel dommage Quel dommage, parce que sinon, c'est propre. Alors là, il y a l'air d'avoir un petit coin cracra, avec une petite bannette à bordel, ce qu'on appelle une bab. Euh, alors c'est assez... assez... Bah, si, 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 là, regardez, ça c'est un chargeur, ça c'est un chargeur iPhone, on reconnaît le truc. Ça c'est la bannette à chargeur, c'est la bannette à bordel généralisée. Ah c'est triste, quel dommage, ah et puis on les voit ici aussi, ah oh là, là 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 là, la faute, la faute, euh, là vous avez donc le Light Ring, alors ça c'est par contre, euh, il que je fasse plus attention à son éclairage à Ultia sur ses prochains euh, streams, mais elle a un bon éclairage, et pourtant elle met son Light Ring sur le côté, donc comme ça elle l'a pas dans la gueule et ça c'est mieux j'essaie de mettre le light ring à jour sur un côté comme ça pour voir si ça si c'est parce que j'ai peur qu'en fait ça ça fasse des ombres je fais attention la prochaine fois pour voir comment elle gère son elle gère son éclairage euh, après bah il y a la plante verte c'est très bien en plus elle a l'air elle a l'air bien euh, elle a l'air bien entretenue la plante verte ça c'est pas une plante verte qui est sur-arrosée comme 90% des plantes vertes euh, la tour pc sous le bureau bon ça va euh Ouais, le, le, elle a le beau, euh, le beau pied de micro Rode, là, qui coûte une blinde, qui est super bien. Les écrans... Je regardais un petit peu s'il n'y a pas un peu de truc cracra là. Alors, la, la qualité de l'image n'est pas géniale. Mais euh, non, ça a l'air propre. Le tapis de souris a l'air très propre. Dommage. Dommage, dommage. Ah, mais attendez. Ça, en fait, c'est un porte-switch. C'est ça c'est un, un porte Switch, custom. Alors le coin cracra nous dit Ultia, bonjour Ultia. Alors le coin cracra est censé être rangé dans le meuble, j'en peux plus mais comme je recevais ma PS5, je faisais des branchements au moment des photos. <tousse> ça les excuses, rasseyez-vous s'il vous plaît préf Ultia. Non 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 non, ça les excuses, on n'en veut pas, c'est la photo qui fait foi. Ça c'est un porte Switch, ah il est joli. Ah, je savais même pas que ça existait des trucs aussi euh, sophistiqués que ça pour porter une Switch, pour porter une console si peu sophistiquée. On referme la parenthèse. Bon, là on reconnaît la petite, euh, la petite prise fibre. Étonnant d'avoir une prise fibre ici d'ailleurs. Euh, le parquet est joli. C'est pas le parquet que je préfère, mais le parquet est joli. Les murs sont propres. C'est rare d'avoir des murs propres. Hein. Bon, ben, on sait ce qui va arriver à ce bureau. Hein. Non, moi, ouais, ça sera pas le New. Non, non bien sûr, ce n'est pas le New. Ça sera pas non plus la relax. Ça, ce n'est pas possible. Les textes sont clairs, le code pénal logique euh, est limpide là-dessus. Euh, voilà. Alors, vous me dites la figurine. Alors, oui, effectivement, il y a une figurine. Et vous savez qu'ici, nous sommes impitables envers les figurines. Mais il n'y a qu'une seule figurine. Ce qui est déjà bien. Et comme je l'expliquais tout à l'heure sur le bureau de Daz, elle rajoute. Alors, c'est vrai qu'il y a de la couleur. Hein. Voilà, il, y a, il y a la touche de couleur ici, le rose pâle ici, la touche de couleur de la, de la carafe Brita euh, ici, le petit masque ici. Alors, vous m'avez dit sur le chat que c'était Majora, hein, c'est ça. Euh, mais si la figurine, elle est unique et qu'elle qu apporte juste une petite touche de couleur, moi, ça ne me choque pas. Il y en aurait 25. Euh, tenez, je vous dessine d'autres figurines. Voilà, figurine, voilà, je vous dessine un amiibo. Ouais, c'est pas mal, hein. je les réussis bien les amiibo, quand même. Voilà. S'il si y avait eu plus d'une figurine, j'aurais fait euh, recel de figurines, on n'en parlait plus, c'était en zonzon. Là ça va, là ça va. Tout est bien, il y a même des trucs très bien comme le siège qui est splendide, mais... Mais il y a un attentat au cable management, ça c'est du terrorisme. Hein. On ne va pas se mentir, on ne va pas dire euh, non, mais vous savez, la société, machin. Donc, ça c'est du terrorisme. Je suis désolé, c'est du terrorisme. Qu'est-ce qu'on peut leur reprocher d'autre Allez, la petite fraude à l'alignement, parce que là, vous voyez qu'ici, on a très clairement un angle qui n'est pas un angle correct puisque c'est un angle de 9,73 degrés. Voilà, et là aussi, regardez, regardez, là, 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 là. Là, il y a un angle triangulaire de 3,4 degrés. Et ça, les textes sont clairs. C'est interdit. Ici, qu'est-ce qu'on a On a... On a euh... Alors ça c'est. Je sais pas ce que c'est. Les trucs qui pendent. Ça, j'ai l'impression que c'est une chouette morte. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est une chouette morte. Oui, un angle triangulaire. Euh, une, une médaille de ping-pong. Ben, cela dit, j'ai une médaille de ping-pong qui ressemble à ça. Ouais. Elle est à côté de moi. C'est un oiseau mort taxidermé. Une peau de mogouaï. Une chauve-souris. Ah, on, on voit qu'il y a des petites patounes ici. Il y a des petites ailes là. Et là, je pense qu'il y a des yeux. Et là, il y a l'air d'avoir une bouche. Ça fait peur. Ça fait très peur. Bon, ça ne sera pas à mettre au crédit d'Ultias, ça c'est sûr. Petite. Euh, petit pet sur le papier peint, là. Je ne sais pas si c'est de la moisissure qui commence, à, qui commence à faire des bulles ou si c'est juste la, le, le reflet de la peinture. Merci Foulk. Un pouce ou euh, frère merci pour ton soutien. C'est une peluche chauve-souris. Ok, donc ça, c'est une peluche-chauve-souris. Donc techniquement, on passe à deux figurines. Et quand on passe à deux figurines, qu'est-ce qui se passe Il y a un recel de figurines. Et ce n'est pas tolérable, dommage. Merci, docteur Sharky. Un pouce ou euh, frérot docteur, merci pour le soutien. Après, je vois pas autre chose, hein. Il n'y a pas trop de LED. Oh quoique, on pourrait reprocher la LED ici qui n'a pas été désactivée. Allez, pour le plaisir. Allez, pour le plaisir. On va mettre un petit crime. Et puis là aussi, il y a des LED. On va mettre un petit crime de LED Majesté. Parce que c'est vrai que c'est le, bu le bureau le plus LED qu'on ait vu jusqu'à présent. On avait été relativement épargné ce soir sur les LED, mais là, c'est vrai qu'il y en a quand même pas mal. Après, est-ce qu'il n'y aurait pas une corbeille sur le bureau la barre détachée est en bas, mais bon, on ne va pas condamner les gens pour ça, sinon la France entière ira en prison. Je vois pas de corbeille, mais la corbeille, elle pourrait être là. Hein. Elle pourrait être cachée ici. Ou elle pourrait être cachée là. Peut-être qu'elle a été stratégiquement cachée. Goto, c'est différent. Le bureau était une LED. Oui, c'est vrai, il... mais il avait un bureau lumineux, ça passait. Ça passait. Il y a la barre là, là, attention, on me dit qu'il y a la barre de recherche Windows sur l'écran euh, sur l'écran du milieu. Euh, Prévenu Ultia, levez-vous s'il vous plaît. Le levez-vous s'il vous plaît. Mettez-lui un coup de matraque dans les côtes si jamais elle ne se lève pas. Euh, Prévenu Ultia, est-ce que c'est une barre de recherche euh, Windows qui n'a pas été désactivée? Ah le tribunal doit savoir. Le procureur est à côté de moi, il en tremble. Sebom avait aussi la barre de recherche. Oh, oh je l'ai pas vu, je suis désolé. Pourquoi vous ne l'avez pas dit Je l'ai envoyé au news Direct. Ah, ça serait triste. Hein Parce qu'une ba barre de recherche Windows pas désactivée, c'est la même chose qu'avoir le fond d'écran Windows par défaut. Hein. Pour moi, c'est le même genre. Hein. Non, je l'ai pas, chef. Alors, qu'est-ce que c'est cette barre-là Qu'est-ce que ça peut être Qu'est-ce que ça peut être un truc comme ça oh, Malware et moi, on est d'accord, la barre cherche, c'est très pratique, dit ah, Ça ne m'étonne tellement pas que, que, que Malware euh, dise ça. Monsieur le juge est naïf, euh, dit Arkhamenta. <laughs> <laughs> Il y a Ben qui dit Ultia, vous êtes sous serment. Ça serait une. Ah oui, si ça c'est une si si, si c'est une ça pourrait être une fenêtre. Ah, ça pourrait être une fenêtre comme ça Non, la fenêtre elle serait elle, elle passerait pas, euh, elle, elle pas au-dessus de la au-dessus de, de la barre des tâches. Power Toys et Alt et plus besoin de barre de recherche, oui. Je crois qu'il y a eu mensonge. Je crois qu'il y a eu parjure. Je crois qu'il y a eu outrage à magistrat. La barre de recherche, c'est pour les logiciels parce que j'ai rien sur mon bureau. J'ai désactivé les icônes. Alors, désactiver les icônes, c'est merveilleux. La barre de recherche Windows, les, les, les textes, ça, ça, fait depuis, ça fait depuis le XVIe siècle qu'on qu a exigé dans le code pénal logique que la barre de recherche Windows soit désactivée. C'est une atteinte à la dignité humaine, on ne peut pas aller en dessous, je suis désolé. On ne peut pas aller en dessous. Je, je suis pieds et poings liés par les textes et par mon serment bureaugique. Alors, ce bon, ne sera pas la relax, mais ça on le savait depuis longtemps. J'hésite entre le simple rappel à la loi ou la mise à l'épreuve qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus difficile à vivre, à la fois pour le prévenu, pour les familles, tout ça, pour les proches. Ce que je vous rappelle, la mise à l'épreuve, c'est quand même la brigade bureau logique qui débarque chez vous à 6h du matin sans prévenir. Non, le Gomax. Mise à l'épreuve. Mise à l'épreuve de 3 mois. D'ici 3 mois, il faut que ce bureau soit... Il faut que ce bureau, il faut que les câbles soient rangés, que la barre d'étage soit désactivée. Euh... Et puis déjà, ça sera bien. Que la, LED du... que la LED de la souris soit désactivée. Que la chauve-souris soit cachée. Ou alors que ça, ça soit caché. Mais que l'un des deux... Il faut que l'une de ces deux figurines nous quitte. De toute façon, elle sera confisquée par la brigade de biologie quand elle, quand elle passera demain à 6h du matin chez Ultia. « En cliquant sur l'icône Windows juste pour taper le clavier, fais une recherche. » Oui, il y a plein de trucs pour faire des recherches, euh, mieux que la barre des, la barre des recherches Windows. Euh, vous pouvez aussi... Il euh, y a aussi des softs spécialisés qui vous indexent tout vachement bien. Il euh, y en a un que je conseille souvent dans leur download, mais je ne je m'en souviens plus. « Everything », voilà, c'est ça, lolo. Merci, « Everything euh, ».« Ultia », bon, t'évites le « Newf », mais ça sera quand même... Je suis désolé, je ne peux pas faire autre chose. Ça sera quand même des gendarmes qui débarqueront chez toi, au hasard, dans les 3 mois, à 6h du matin. » Euh, ils vont mettre ton appartement à sac. Alors ça, faut les excuser, c'est des gendarmes, ils sont, ils sont très expansifs. Euh, et ils viendront contrôler les améliorations sur ton bureau. Euh, un gros bisou à la frérote Ultia. Merci de nous avoir envoyé ton bureau. C'est, euh, super gentil. C'est toujours très cool de voir euh, l'envers du décor des gens qu'on voit en stream, de voir ce que eux ils ont devant la, devant la, devant les yeux quand ils font les streams. Et euh, c'est très cool, c'est très gentil. Merci Ultia. Oui la frérote, la frérote. Un frérot, une frérote, c'est le, c'est le pluriel. Euh, allez suivant. Ça vous pouvez trouver. Eh ouais, Bierpong a trouvé, Van Yort a trouvé, Turbo Mouton a trouvé, Berfine a trouvé, Malolo a trouvé, c'est évidemment. Ce gros détraqué de halt 236. Évidemment. <laughs> évidemment. Alors, euh, est-ce que j'ai que ça? Ouais, j'ai que ça comme vue. Alors, c'est un beau bureau quand même, hein. C'est un beau bureau, c'est bien décoré. Je suis tout de suite regardé s'il a... Oh, oh, non mais c'est un beau bureau. Je dis c'est un beau bureau et après il y a ça qui apparaît. Qu'est-ce que vous voulez euh... Mais ça ne m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Il est fou Al236. Il est fou. Al236. Donc moi j'ai eu l'occasion, j'ai eu la, la, la chance de le rencontrer. Vous le rencontrez sans le connaître. C'est un type, c'est la, la gentillesse incarnée. Vous voyez arriver un type... Il a l'air un agneau. Un agneau. On a envie de le prendre dans ses bras. La première fois qu'on voit le 236 on a envie de faire. Voilà, comme ça. Et puis vous vous dites Oh, bah tiens, euh, je vais regarder un petit peu ce qu'il fait sur Internet. Et là, vous vous dites Non, mais faut pas qu'il garde mes enfants, cet homme-là. Il... Non, il y a. Ah ouais, non, c'est bizarre son univers. Et il fait de la musique effectivement, comme le dit, ben on le voit là, il, a, il a, un petit clavier. Il fait de la musique. Il y a ces, morceaux qui sont, euh, qui sont sur euh, YouTube. Un, un pouce au euh, merci pour le soutien. Et euh, alors la musique de, la musique d'Alt 236 pour ceux qui connaissent pas. Vous voyez Kids United Eh ben c'est pas du tout comme ça. Pas du tout. C'est euh, l'inverse de Kids United. Bon, c'était notre, c'est une autre, euh, une, autre euh, une autre ambiance. Pareil, ces vidéos YouTube. Est-ce que vous voyez euh, les, les youtubeurs bros qui font des pranks et qui font euh, des top 10 euh, des, des meilleurs moments euh, de rugby, vous voyez, bon, bah pareil, c'est pas du tout ça, c'est le contraire, c'est le contraire. Son album est excellentissime, nous dit Obi-Wan, et bien voilà, l'info est passée. Euh, la musique de Halte c'est spécial, il compose seulement sur trois octaves. Euh, ah, tu dis ça parce que le piano n'a que 3 octaves Non, il ne compose pas sur 3 octaves en plus, L236. Non, parce que les pianos, on peut, on peut shifter les octaves sur ce genre de piano. mais je, euh, Après, ça pourrait être le style de L236. Ça pourrait tout à fait être son style de se dire Eh ben, moi, je vais faire de la musique, mais seulement sur 3 octaves. Et ouais, les pépères, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qui est -ce qu y a de bien sur le bureau Bon, la déco, elle est splendide. Elle est, elle est très très belle. Euh, alors. On va essayer de l'arranger évidemment. Euh, comment c'est si bien le faire. Voilà. Et puis euh, là on fait je, je peux pas faire mieux. Parce que il est, il est quand même marqué, le, le chien. Bon, au moins, ce n'est pas un Akita, donc il mordra personne. Mais... Euh, ouais, mais c'est... Voilà, ça c'est... Ah voilà, ça, 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 La déco est vraiment en accord avec le personnage, avec les, les obsessions du personnage. Je vais essayer de l'arranger, mais ça va être difficile. C'est euh... moyen. C'est moyen. Ah ouais, ça aussi. Oh. Des fois, j'ai pris certaines de ces émissions là où il partait dans ces univers, dans les trucs, euh, et il disait euh, euh, Ah, j'étais en train de lire un bouquin, et puis euh, j'ai complètement flashé sur une. Enfin, il dit pas flashé, hein, mais il dit Il y a, y a, y a euh, une œuvre dans le bouquin qui m'a marqué, et puis il se met à étudier tout ce qu'a fait l'artiste, et c'est que, des... que des trucs complètement cramés. Euh, de... Voilà. voilà. C'est que des univers. Euh... C'est. C'est tellement bizarre. C'est tellement bizarre. Moi, vous savez, je suis plus dans. Euh, moi, je suis plus. Moi, par exemple, quand je me relaxais, je regarde Cyril Hanouna, j'écoute du Kids United. Euh... Enfin, vous voyez comme le font les gens normaux, lui, non. Je suis sûr qu'Al 236, par exemple, il regarde pas Cyril Hanouna. J'en suis quasiment persuadé. Ou alors, il regarde Cyril Hanouna, mais d'un œil distrait, en fond d'écran. Il... il est pas comme moi, vraiment happé par l'émission. C'est. Euh... Ah, c'est des... des univers particuliers. Alors. C'est bon, un très beau bureau, euh, il y a évidemment le dégueulis de câble, voilà. ça hein, on le sait, euh... alors j'ai pas envie de dire que ça sera pas la relax parce que Même s'il y a le dégueulis de câble, le bureau il est quand même sympa. Donc il faut regarder dans les détails. Il euh, y a un clavier qui m'a l'air somme toute euh, standard, pas terrible, c'est pas un beau clavier mécanique. Il y a le Stream Deck version normale, bon. Euh, ah il a un tapis de souris à lui, dis donc. Ça c'est classe. Euh, la souris, moi je suis pas d'accord. Ça c'est pourri comme souris, après c'est une affaire de goût. Euh, tout est bien rangé, il a des belles enceintes. Euh, ouais, il a des belles enceintes. Ça, c'est des belles enceintes de monitoring. Oh Alors, ça, non. Alors, ça. Je suis désolé. Non. Non. Et. Non. Et je mets trois points d'exclamation derrière et je fais un petit smiley pas content. Jamais, jamais d'ampoule nue. Jamais, 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 jamais. Jamais d'ampoule nue, ça vous, ça vous perce la rétine. Ensuite, vous, si vous avez une ampoule nue dans votre champ de vision, après, quand vous fermez les yeux, vous voyez l'ampoule nue qui est là et qui continue, à, qui continue à, vous, à, vous, à vous faire mal à la rétine. Non, 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 non. Ah non, non, Al236, non, pas toi, pas comme ça, 236, pas, pas maintenant, pas comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Pas possible. Et je remets un smiley pas content. Voilà. Ah là, je, là, je vous le dis, on s'éloigne de la relax. Hein. Alors, le bureau a l'air cool. Qu'est-ce que c'est Ça, c'est une PS5 C'est quoi ouais, On va y avoir des problèmes genoutales. Hein. Vous les sentez venir, les problèmes genoutales Ça, c'est quoi, votre avis les, les LED bleus, là Parce que ça peut être un crime de LED majesté, hein. C'est à tour! Oh, j'en ai jamais vu une comme ça, dis donc. Je crois que c'était une espèce de PlayStation 5. Euh... Regarde l'arête de la tranche du bureau. Ouais, l'arête de la tranche du bureau. Là, il y a du screw new. du screw new là, du screw new là, du screw new là. Faute, 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 faute. Euh, non mais c'est d'autant plus dommage d'avoir mis une ampoule comme ça parce que l'éclairage est déjà très bien. Vous avez l'éclairage bleuté tout derrière là qui doit être à cause d'une bande de LED probablement placée sur la tranche du bureau ou un truc comme ça. Là vous avez cette lumière qui suffit largement et ça là ça... Ah, rien que de la regarder j'ai mal à la tête, j'ai des nausées, j'ai des vertiges en la regardant. Il y aura la dissimulation de preuve parce qu'on voit pas le on voit pas le, le... Le fauteuil, c'est dommage. Ça, c'est une, mag une, une Magic Eight Ball, ça Ça doit être ça, À hein moins que ce soit un truc euh, genre un, un truc électronique euh, que, je, que je confonde, mais euh, non, c'est une Magic Eight Ball. C'est le truc que les Américains ont. C'est un espèce jouet, un jouet, d'oracle, un jouet oracle, on va dire. Et bon, il y a la petite caméra. Ok, le papier peint à l'air propre. Alors, là, il y a l'air d'avoir des problèmes parce qu'ici, nous voyons bien que nous avons deux structures. Probablement des structures de rangement, donc des structures rangeales. Et là, j'ai envie de dire... Bah, le tibia Ouais, c'est bien aligné, Oli. Le tibia Ah, repose-pied, dit euh, Vega Biggs. Oui, effectivement, ça peut faire office de repose-pied. C'est pour cacher les câbles, mais j'avoue le tibia. Bon, il avoue. Faut avouer, pas du tout pardonner mais au moins euh, c'est avoué. Il y aura donc un petit problème genou Est-ce que je me verrai travailler à ce bureau Si on enlève la lampe ici, oui, sans problème. Euh, bon après je ferai des cauchemars pendant 15 jours à cause des, 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 des posters là hein. mais euh, euh, j'essaie de repérer la corbeille je vais faire un sondage pour savoir si c'est moi qui ai tort de, de, de reprocher aux gens d'avoir. Combien il y a d'icônes Attendez, on va, faire, on va compter les icônes. Euh, on va, approximativement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 x 11, ça fait 121. Euh, c'est ça, hein, ça doit faire 121 x 11. Fois 11. Euh, donc on a 121 icônes. On en rajoute 1, 2, 3, 10, 10, 10, 10, 10. 10. On a plus de 150 icônes. Alors, sondage. Comme ça, on ne pourra pas dire que je m'acharne sur l'accusé, sur le prévenu, sur, ah, sur le condamné. Sondage. Avoir 200 icônes. 200 icônes, c'est être équilibré, être détraqué. J'en appelle à l'avis du chat, tout simplement. Comme ça, il n'y aura pas de réclamation, il n'y aura pas de. Le, ju, le juge n'est pas, euh, pas objectif, euh, c'est un scandale. Il est présumé innocent, dit Jack Bauer. Pas dans ce tribunal. Ils sont, les gens sont présumés coupables, sont présumés condamnés. Voilà. 240, plus de 250 personnes qui nous disent c'est être détraqué. On est bien d'accord, il y aura donc un acte de barbarie pour ces icônes, euh, parce que ce n'est pas normal. Alors, attentat au cable management, mais ça on y est habitué. Euh, on va mettre, on va mettre des, des coups et blessures sur genoux. Atteinte à la dignité pour les icônes. Et acte de barbarie aussi, parce que ça se prolonge sur le second moniteur. L'alignement est très bien fait, ça c'est impeccable, la déco est splendide, euh, le bureau, bon, il y a des petits sur la sur la tranche, mais ça a l'air bien. Euh, le, je, je, le, donc trop, 80% à détraqué, On est bien d'accord. Ça me fait plaisir parce que des fois, que je me dis que le, le, le public de ce tribunal n'est pas du tout en accord avec, euh, avec les principes urologiques de base, mais bon. Euh, je vais mettre un recel de figurine pour le chien. Parce que Sultan, là, il me fait peur. Rega regardez par exemple. Regardez. Je vais vous faire un effet qui fait peur. Regardez. Vous êtes là comme ça, tranquillement. Pom, 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 pom. Je me balade et il se passe rien. Pom, 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 pom. Oh là 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 là. Hello. Ah Quel acteur. Quel acteur. Ça fait peur. Oh. Merde. Pardon. Excusez-moi. J'ai sur échappe, Hop. Et... Le fauteuil, on ne le voit pas. Dissimulation de preuves. Au niveau sanitaire, c'est impeccable. Je vais mettre un crime de LED majesté pour la lampe. On va considérer que ça c'est une LED. Allez. Bon alors, les condamnations sont nombreuses, mais malgré tout c'est un beau bureau, et pour le coup, c'est un bureau qui raconte une histoire. C'est un bureau qui raconte l'histoire d'Al 236, qui est une histoire particulière, qui n'est pas vraiment une histoire... Euh inspiré par le scénario de Plus belle la vie, mais néanmoins, on sent la personnalité, euh, sent la personnalité de l'auteur de ce bureau, et je suis certain qu'il est très très bien à ce bureau à être surveillé par tous ces yeux euh, angoissants et tous ces personnages euh, cauchemardesques. Non, il n'y a pas de surcharge murale, parce que c'est fait avec goût. C'est fait avec goût. M même le chien, hein, même Médor, là, il fait peur, mais euh, il rajoute une petite touche sur le côté. Euh, franchement, c'est bien fait. On, on sent que c'est travaillé. Euh... Oui, je sais. Oui, alors allez-y, dites euh, le favoritisme, justice de classe, tout ça. Allez-y. Allez-y, défoulez-vous. Bah ben oui, parce que c'est un bureau qui a une âme. Tout simplement. Et je vais vous dire ce que vous n'avez pas compris tout autant que vous êtes la hyènes euh, dans la salle du tribunal de grande instance bureau de Montargis. C'est que ce qu'il faut mettre avant tout dans un bureau, l'ingrédient principal d'un bureau. C'est quoi cet ingrédient? Est-ce que quelqu'un sur le chat peut me dire quel est l'ingrédient principal d'un bureau? Je suis sûr que vous ne le savez pas. Allez-y! Non. C'est une honte, monsieur le juge. Et non, et c'est là que je me rends compte que vous n'avez rien... Voilà, voilà, Casu. L'ingrédient principal dans un bureau, c'est l'amour. Et ça, c'est un bureau qui a été fait avec amour. On le voit sur la déco, on le voit sur le fait que c'est bien propre, c'est bien large, c'est bien éclairé. C'est un bureau qui a été fait avec amour. Est-ce qu'il y a des maladresses Oui, bien sûr. Toto le chien, c'est une maladresse. Euh, la lampe, c'est une maladresse. Les câbles, c'est une maladresse. Mais ce ne sont que ça. Ce ne sont que des maladresses. On sent que ce bureau, il vient du cœur. Et surtout, il reflète à la perfection les obsessions et les... comment dire Les maladies. Les maladies d'AL236. De... Et donc c'est pour ça que je.. Qu'on ne me dise pas que c'est du copinage. Al236, on s'est croisé quoi, Alt On s'est croisé une fois deux fois quelque chose comme ça voilà en plus moi l'univers d'Alle 236 vous moi je suis l'univers Cyril Anouna euh, plus belle la vie je suis pas du tout dans l'univers d'Al 236 mais il y a mis il y a mis de l'amour dans ce bureau et ça se voit c'est très personnalisé ça raconte une histoire et pour ça un poussou pour euh, Alt 236 qui a été jusqu'au bout du concept qui a fait vraiment un bureau qui lui euh, ressemble. Merci Alt 236 de nous avoir envoyé ton bureau, euh, c'est super gentil. Allez, il nous reste trois bureaux, les amis. Oh, il commence à se faire tard là. Il nous reste trois bureaux, juste voilà. Justice corrompue, je... copinage et tout. Non, Alt 236, je ne le connais pas. J'interjette appel, dit Glouton 33. Interjette hein. tiens, je l'attrape. Voilà, c'est bon, je l'ai pris. Ça me rappelle des bureaux sans âme dans un appart à 1 million avec vue sur les gratte-ciels de Toronto de l'amour. Alors c'était les gratte-ciels de New York déjà et puis euh, il était magnifique. Si, il était fait avec amour euh, aussi. Mais de toute façon je, je vois bien que je ne suis pas en phase avec... Euh... Je ne suis pas en phase avec vous. Je, vous avez rien compris. Je, voilà, ça fait quoi C'est le 15 e épisode qu'on fait. On en est à 200 bureaux. Vous n'avez pas compris en fait. Vous n'avez toujours pas compris. Mais je me dis qu'un jour vous comprendrez. Merci à L236. Merci aussi Cordial Bourpif. Un pouce euh, pour le Prime. Et on passe au suivant. Il faut renverser cette justice corrompue. Tapez-le, euh, Andrei euh, Bolkonski. Mettez-lui un coup de matraque dans la rotule. Là. Ça le calmera. Silence ou je fais évacuer la salle. Merci. Alors, est-ce que vous allez reconnaître ce bureau Ouf Alors, il est beau, mais... Il est beau, mais... Il y a Black Valk tout de suite qui a dit Zuzu. À quoi vous avez reconnu ça Ça vous évoque Zuzu, ça Le thé Ah, il est très thé-isuel. Ça, ça ne m'étonne pas qu'il soit hein, C'est. Souvent, non mais c'est vrai que souvent, les gens d'extrême gauche sont, sont très thé. Vous remarquez que c'est pas une boisson d'extrême droite, le thé. C'est bizarre, hein les tasses, elles ont quoi les tasses C'est des tasses véganes Moi j'aurais imaginé. Euh... Non, j'étais surpris que ce soit le bureau de Zuzu. Zuzu Alain, hein, pour ceux qui ne euh, connaissent pas, donc euh... rédacteur à Canard PC évidemment. Ouais, les plantes, ouais. Ouais, alors j'ai que ça comme vue, euh, alors ça me fait plaisir, il a un mille. Miller, ça c'est bien, ça me fait chaud au cœur, de savoir que mes collègues ont le cul bien assis chez eux. Alors, ah oui, l'angle de la cam, vous avez pu le voir, à l'angle de la cam, c'est vrai, il se filme pas tout droit visuel, il se filme de côté, il, il m'a dit, je me filme que sur, que sur mon bon profil, parce que de l'autre côté, il est complètement déformé en fait. Oui, oui, euh, oui, Kébou, je l'ai vu Kébou. J'ai vu effectivement ce qui va être extrêmement problématique pour la relax sur un bureau qui, autrement, euh, est très agréable. Euh, les moniteurs sont bien faits. voilà. Euh, c'est bien aligné. Clavier mécanique, il est joli. Là, les alignements sont bons. Le cable management n'est pas terrible. On voit qu'ici, il euh, y a des tortellonies. Ça, c'est pas génial. Le petit rouleau d'essuie-tout, très bien. Moi, je préfère le rouleau de PQ, mais à chacun. Tous les éléments euh, buvals, donc les éléments qui servent à boire, ont une, ont une sous-tasse, ça c'est très bien. Euh, pour une fois, il a un bureau avec un seul casque, c'est très bien. Le bureau, le, le, le pied là est bien placé, là il y a un petit light ring discret, ça les petits éléments déco très très beau. la lavande splendide, le petit pot. Alors ça c'est de la... ça je le sais parce que j'ai la même, c'est de la fausse herbe de chez, euh, de chez Ikea. Euh, mais j'aime bien le petit cache-pot comme ça, en espèce de, de, de bois, je trouve ça joli. Là, ici, nous avons un petit truc pour euh, le rangement, c'est bien. Euh, ah, les enceintes sont mal placées. On voit que les enceintes, elles sont derrière. Elles sont là, les enceintes, c'est des Logitech. Et euh, bon, alors après, c'est compliqué sur un bureau qui a cette largeur. Bon. Il a une banane, Isuel il a une banane. Oui, il nous avait dit dans l'émission qu'il adorait les bananes. Je me trompe pas. Hein C'était lui qui nous avait dit moi, mon, un, de mes objets, un, un des objets que j'adore, c'est la banane. Oui, c'est ça. Je l'avais effacé de ma mémoire. C'est son objet lifestyle. Bon, pourquoi pas. Non, mais il avait été convaincant, cela dit. Euh, j'aime bien la structure du bureau, j'aime bien le bois du bureau qui est très agréable, un petit euh, bois clair comme ça, c'est très joli. La structure du bureau, là, avec la petit, le petit truc sur le côté, je trouve ça élégant. Je sais pas si c'est du Ikea ou pas, mais, euh, mais c'est cool. Euh, alors il y a, euh, a Waltz SGDB qui dit le caisson sur le bureau. Effectivement, on devise, ça on voit que c'est les pieds du caisson de basse Logitech qui accompagnent les deux enceintes ici. Bon, effectivement, un caisson, ça se met pas sur un bureau. Cela dit, là, il est vraiment tout petit le caisson. Hein. Un caisson, ça se met pas sur le bureau, ça se met plutôt en dessous. Il aurait pu le mettre ici, ça lui aurait gêné l'espace genou tal. Mais bon, ça passe. C'est quand même loin d'être dégueulasse. Il y a des beaux rideaux rouges, très bien, impeccable. Vous les voyez pas Ils sont derrière moi, mais ils sont là. Hop. Bon, par contre, ça. Alors ça, je ne comprends pas. Quelle erreur! Parce que ça, un petit coup de torchon, un coup de torchon et c'est fini. Il n'y a plus la poussière. C'est pour faire Fallout, dit Mad Oui, c'est la petite touche post-apo. C'est la touche post-apo de la photo. Il y a un petit peu de poussière. Mais quand même, là, c'est cracra. Et on voit que le tapis souris, il n'est pas net. Hein. Petit truc là, petit truc là. Bon, il y a le, le support de poignée. Alors moi, je m'en suis acheté un. Je suis pas fan. Je vous ferai un article d'ailleurs bientôt sur les souris verticales dans le canard PC. Mais bon, j'ai arrêté de critiquer les repose poignées, parce que c'est vrai que c'est pas désagréable les repose-poignets. Alors par contre, deux tasses. Pourquoi deux tasses Je sais, c'est la double personnalité visuelle. Mais si, parce qu'il y a Mister Zuzu qui est donc. Euh la personne, le, le, le type, vous savez, de gauche, vegan, tout ça. Peace and love, down to the system, 420 YOLO. Et puis, vous avez bah, la légende noire, la légende noire du, du baron d'Isuel. Et oui, fils de l'aristocratie, de la haute aristocratie française. Il a, il a un nom à particules, Isuel. Baron de Rouen, vicomte du Havre. Donc ça, ça doit être euh, sa tasse quand il est, quand il est en mode euh, je suis à gauche. Et puis ça, c'est sa tasse quand il est en mode euh, je viens d'une grande famille aristocratique française et euh, j'espère bien un jour monter sur le trône de France. Une tasse quand il a soif, une tasse quand il a pas soif. Ça pourrait être ça aussi. Alors c'est un beau bureau. Bon, c'est un bureau agréable. Euh, voilà, l'Hermann Miller et tout impeccable. Thé et breuvage, dont on n'a pas le droit de parler sur Twitch. Donc c'est Isuel qui me dit qu'il a une tasse pour le thé et une tasse pour un autre breuvage dont on n'a pas le droit de parler sur Twitch. On a le droit de parler d'alcool sur Twitch, il me semble. Dans le doute, je vais pas le faire. L'alcool, c'est mauvais, n'en buvez pas, mais... Euh, je ne sais pas. Euh, je ne sais pas ce qu'il peut boire d'autre. Peut-être le sang des paysans que sa famille a exploité pendant le Moyen-Âge. Ouais, ça doit être ça. Ouais, c'est le sang des serfs. Euh, dans sa baronnie de Rouen. C'est peut-être ça. Bon, on ne le saura pas, c'est ainsi. Isuel gardera son secret. Euh, Qu'est-ce qu'on peut lui mettre à Isuel Bon, alors ça... Normes sanitaires, on est d'accord. Le câble, on est d'accord. Et après, bah écoutez, euh, c'est propre, ça raconte un petit peu une histoire, parce qu'il y a le thé, vous l'avez tout de suite reconnu d'après ça, il euh, y, euh, y a les petites plantes, euh, le, les bureaux, le bureau Windows est impeccable. Par contre, où est la barre des tâches oh, Est-ce qu'Isuel ferait partie de ces gens qui ont une barre des tâches en auto-hide Je n'ose le croire, je n'ose le croire. Isuel, est-ce que tu as la barre des tâches en auto-hide Oh, ça serait pas possible. Pas lui. Pas maintenant. Ouais, il y a un petit bordel à droite, mais ça va, ça va, ça va. Oh, je n'y crois pas. Non, ça m'a l'air d'être quelqu'un d'équilibré visuel. Je je, non, je pense pas, c est, c est, ça serait pas possible. Je me serais trompé à ce point-là sur les gens Non, non, pas du tout, c'est mon fond d'écran, mais en plein écran sous Firefox, car mon bureau était un peu bordélique. Pas encore réinstallé Fence. Ah, d'accord Ah, bah voilà, bah tout s'explique alors dissimulation de preuves, donc bureau bordélique. je vais vous simuler le bureau disuel parce que pour qu'on ait un peu une petite idée donc là vous avez un icône euh, Fallout 2 là vous avez un icône Fallout 2 Gotti là vous avez un fichier texte c'est en fait son article sur euh, Fallout 2 et là, vous avez euh, un, un installeur de mode euh, Fallout 2. Voilà. Et puis là, vous en avez encore plein d'autres, que en rapport avec Fallout 2. Et il les regarde comme ça toute la journée, en faisant "Alors, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui en rapport avec Fallout 2 C'est ça qu'il a voulu cacher. Il lui dit "C'est le bordel." Mais en fait, c'est qu'il n'a pas voulu nous montrer son obsession. Grosse dissimulation de preuves quand même, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur qu'Izuel n'ait pas eu confiance en moi. Parce qu'il sait quand même que je suis quelqu'un de, de gentil et qu'en général je pardonne ce genre d'erreur. Et euh, ça me fait mal au cœur qu'il qu se soit senti obligé de, de cacher des trucs. Parce que bon, il cache des trucs à moi, mais c'est surtout à vous qui cache des choses, et ça je, ne, ça je ne peux pas le supporter. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui mettre à Isuel? Oh, c'est un beau bureau quand même. On va lui mettre un petit rappel à la loi. Voilà. Rappel à la loi sur la poussière. Rappel à la loi euh, sur le cable management. Rappel à la loi sur les icônes. Voilà, ça se, ça se corrige vite. C'est 5 euh, minutes pour la poussière, 5 minutes pour les icônes et une demi-heure pour les câbles. Il n'y aurait euh, pas de souci, mais sinon c'est un très beau bureau. Je suis étonné. Honnêtement, je suis étonné. Je pensais que le bureau visuel, ça serait un bureau un peu plus... Euh... Un peu plus foisonnant, euh, avec euh, voilà, euh, poster géant d'Olivier Besancenot derrière, euh, juste à côté un poster de Louis XIV, parce qu'encore une fois il y a ce problème de double personnalité. Mais euh, non, c'est un beau bureau, très très beau bureau, euh, tout est propre, le parquet est beau. Les gens ont des beaux parquets, hein. les, les, les parquets, la situation parquetale s'est bien améliorée en France. Ça c'est euh, probablement du lino en plus, mais euh, c'est élégant, ce petit gris comme ça là, c'est très bien. Allez, il nous en reste encore deux. Alors celui-là. Je vais enlever le texte. On va essayer de terminer avant 11h hein, quand même. Ouais, cela est un Lino imitation parquet. L'âme PVC nous dit super là qui est parquetier. Alors celui-là, vous le connaissez. Vous le connaissez. Non, c'est pas Cannes. Exactement, Sluriki, c'est Denis. C'est Denis donc, qui fait des streams euh, en général. Là en ce moment je crois qu'il est, est dans sa période... Euh, il est toujours dans sa période Dishonored Je crois qu'il est euh, dans sa période euh, Dishonored. Non, c'est pas Fishbone. Non, Fishbone, son bureau. Euh... Enfin, J'aurais bien voulu voir le bureau de Fishbone d'ailleurs. Fishbone, il est à l'autre bout du monde, ça doit être rigolo. Alors oui, il y a le siège. Il y a le siège, effectivement. Euh, le siège assis debout, en plus en un qui coûte super cher. Euh, et Denis est resté un fan du siège assis debout. C'est le seul à la rédaction. Hein. Tous les autres, on s'est on, on avachis sur nos, sur nos sièges. Euh, alors, c'est un bureau de streamer. Bon, c'est aussi un bureau de commercial. Hein. Et les commerciaux, il y en a peut-être sur le chat, les commerciaux ne sont pas des gens comme nous. Ils sont dans un autre espace-temps, ils sont dans une autre dimension. Euh, on ne peut pas appliquer à un commercial ce qu'on applique à quelqu'un, les, 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 les schémas de pensée euh, qu'on applique à, à quelqu'un de, quelqu de normal. C'est le dernier en France, dit full... oh, Non, je ne crois pas. Alors, c'est son bureau à la rédaction. Juste en face, il y a Yvan là. D'ailleurs, si vous... voilà. je vous dessine Yvan en, en pointillé, parce qu'il est derrière. Voilà, là Yvan, il serait là, comme ça, hop, à son bureau. Un bureau qui fait comme ça. Oh, suis super bien dessiné. Et puis, il est là avec ses jambes, ses mains. Voilà, il fait comme ça. Yvan, il aime bien faire comme ça, souvent. Voilà. Donc là, il y a Yvan derrière. Il faut imaginer un petit peu ce que c'est. Il faut, il faut voir qu'à la rédaction, vous avez deux zones qui sont particulièrement distinctes. Vous avez euh, une, une grande zone d'un côté où il y a tous les rédacteurs, il y a CPC hardware, euh, tout ça. Et alors, c'est une zone où il y a du fun. C'est une zone, souvent, ils organisent des rêves-parties. Euh, euh, voilà, il y a probablement des orgies, je sais pas, j'y passe rarement, et puis vous avez une, lote, une zone vraiment à l'opposé de la rédac, euh, et où là vous avez ce qu'on appelle les gens qui, qui bon, voilà, les... je vais pas dire que c'est l'EHPAD, mais euh, la zone senior, voilà, c'est la zone senior, et donc tout ça, là, ici à la rédaction, c'est la zone senior, où vous avez Yvan, euh, a 80, il, a 4, il a quel âge Il a 84 maintenant. Et puis euh, Denis, euh, qui a, euh, qui a sa, petite, euh, sa petite cinquantaine, voilà. Donc ils se font des bridges, des trucs comme ça. Ils regardent Question pour un champion. Ils adorent ça. Tout, tous les jours à 18h. Hein. Ils s'arrêtent de travailler, ils vont regarder Question pour un champion dans la, dans la salle de repos. Euh, c'est marrant à voir, c'est marrant. Alors, Denis. Denis, il a toujours été. Denis, il a toujours été comme ça. Ça, si je devais garder un souvenir de Denis, ça serait ça. Il a. Alors ça, c'est des petits lapins. Mais en fait, c'est des petits lapins. Euh, on peut. Ils ont, ils ont, un petit trou. Ils ont un petit trou bidou et on peut les pluguer sur des trucs. Et il a toujours adoré ça, Denis. Il en a toujours eu depuis que je le connais à la rédac. Il a toujours eu sa petite collection de lapins. Oh, il y aura un recel de figurines, mais là, ça c'est. Ça... Ça, c'est un fidget spinner, non C'est les trucs euh, qui étaient à la mode pendant un moment C'est ça, hein Ou alors c'est autre chose, mais. Euh... Non, je crois que c'est un fidget spinner. Malheureusement pour Denis, je crois que c'est un fidget spinner. Un spinner Batman, ok. Euh, voilà, il a tous ses, toutes ces petites. Euh... Il... Denis, il est dans le bibelot. Il aime le bibelot, Denis. Voilà, il a son petit pot. Là, regardez, regardez, il y a une petite fausse plante ici. Là, il a son, son petit ventilateur d'été. On a la clim alors, est d'accord. Mais il a son petit ventilateur. Il a ses petites baskets. Et euh, voilà, là, c'est ses petits, euh, petits trucs. Ah, voilà, des petits badges. Et puis là, bah, il y a le dégueulis, de, je vous en parlais tout à l'heure, puisqu'on les voyait depuis le bureau divan. Ça, c'est son dégueulis de euh, lanière euh, qu'il récupère dans les salons professionnels où il va. Ça, il va dans le salon professionnel, il y a un petit badge marqué « Bonjour, je suis Denis, je travaille pour Canard PC », et euh, il les garde à chaque fois. Et, et encore, je crois qu'il a réduit là, parce qu'il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Alors évidemment, il y a la corbeille en haut. Bon, classique. Le bureau est relativement propre. Et ce que j'apprécie énormément... Alors déjà, il a un très bel écran, Denis. Je ne sais pas où il l'a volé, cet écran-là. Il a un très bel écran incurvé, AOC, avec un pied design et tout. L'écran, il est splendide. Il a aussi un très beau petit euh, portable, petit portable de commerciaux. Euh, le, le, le clavier est pas mal aussi. Mais ce que j'apprécie particulièrement, c'est qu'il a... Il a les couilles. Il faut le dire. Il a les coronesses d'avoir le fond d'écran noir. Et ça, moi, je suis 100% pour. Oui, il la barre de recherche. C'est triste. Je crois que ça doit être un IPS 144 Hz euh, d'AboutRad. Mais c'est un très très bel écran, qui est très très classe. Il y a la barre de recherche, il y a la corbeille. On est d'accord, c'est un scandale. Mais quelqu'un qui met un fond d'écran Windows intégralement noir, c'est quelqu'un d'équilibré. C'est quelqu'un qui sait où il va dans la vie, qui sait où il met les pieds. C'est quelqu'un, vous lui dites... On a rendez-vous à 14h. et bien, il est en bas de chez vous à 13h56. Ça, c'est une certitude. Le clavier a l'air pas mal. Alors, c'est pas un clavier mécanique, mais j'aime bien le côté design. Quelqu'un qui disait sur le chat tout à l'heure c'est un clavier, c'est un clavier Mac. C'est pas du tout un clavier Mac. Le clavier, il est, il est quand même assez cool. Euh, une petite souris Logitech. Euh, ouais. Ouais. Bon. Ça c'est pour mettre son petit iPhone, évidemment. Il a un petit casque Sony, ok. Voilà, ça c'est petit truc des du scotch. Alors là, utiliser du scotch à un bureau en 2020, euh, 2022 bientôt, je, je ne vois pas. Mais euh, bon. Et ok. On voit la, petite, euh, la boule anti-stress du patron. Et alors le siège assis debout. Non, le siège, pardon, c'est un siège assis genoux. C'est ça. Hein alors c'est un siège, si vous ne connaissez pas... Ah, attendez, il faut que je vous fasse le schéma de Denis. Donc Denis, bon, il est là, il a la barbe. Voilà. Il a deux nids, comme ça. Et alors Alors, la perspective est un peu compliquée. Je vais essayer de vous faire deux nids. Alors, attendez, comment il serait Alors, non, il serait comme ça. Et là, en fait, il y a les genoux là, et les pieds qui passent comme ça. Alors, comme ça, ça paraît pas confortable. Mais en fait, c'est c'est pas mal, surtout que celui-là, c'est un très beau modèle qui est bien rembourré ici, parce que je l'avais essayé pendant un moment, et il fait vraiment pas mal au genou, et il est agréable. L'avantage, c'est que vous avez le dos très droit. En fait, vous êtes vraiment comme ça, là. Bon, évidemment, vous voyez pas sur le stream. Vous êtes vraiment bien comme ça. Là. Et puis vous vous penchez devant, vous êtes en permanence comme ça. Et ça, c'est vrai que c'est assez agréable. Euh... Mais cela dit, je, je suppute qu'il l'ait qu mis ici, alors qu'en fait, il s'en sert pas tout le temps. Ça doit être affreux pour les genoux, dit euh, Ougalito. Non, 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 ça marche très bien pour les genoux ça marche très très bien. C'est un siège de prière, ça siège de prière à Yvan, c'est ça. C'est ça. Ah oui, pour faire la sieste, c'est pas bon. Hein. Non, non non, il faut pas. Euh, alors ce bureau, bah, il raconte une histoire, il raconte l'histoire de Denis. Moi quand je le vois, je voilà, j'ai même pas besoin, j'avais juste besoin de voir les petits trucs et tout, et je savais que c'était le bureau de Denis, hein. Parce qu'il y a que lui pour avoir euh, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Il y en a 15 là, 20. Il doit avoir 22, 23, 24, 25. On va dire 26. Ça aussi, ça fait 27. Il doit avoir une trentaine de figurines. Hein il l'a pas volé. Après, le cable management, je le sais parce que je l'ai vu au bureau. C'est dégueulasse. Là, ça pendouille de partout. Ici, là, vous pouvez être sûr. Derrière, il y en a partout. C'est les Tortellini. Euh... Le siège à six genoux, bah, je vais pas le. Je vais pas le. Non. Je ne vais, je vais, je vais, je vais pas lui en tenir rigueur. Je vais lui mettre d'une manière générale parce que là, je pense qu'il l'a un peu rangé. Et je, je connais Denis. Je sais que c'est le bordel. Le bordel, si vous ne le voyez pas ici, il doit être par là, ou il est là, ou il est derrière. Il a une, Je crois qu'il a une étagère dans un coin aussi qui est, qui est, qui est, qui est super bordélique. Voilà. Il ne l'aura pas volé, il le sait. Le tapis de souris. Voilà. Moi, ça me choque pas. Le tapis de souris, vous me dites attentat à la dignité, atteinte à la dignité humaine. Moi, ça ne me gêne pas, un petit tapis de souris comme ça. S'il utilise une grosse sensibilité, qu'il n'a pas besoin de faire des mouvements comme ça de souris, euh, ça me choque pas. Non, c'est pas du favoritisme. Impossible de travailler avec un tapis comme ça. Oh, je vous trouve dur. Perso, je pardonne toi de Nidibar Fine. Maintenant, on comprend mieux pourquoi il joue un high chaos à Dishonored. Vous pensez vraiment il est pourri, ce tapis de souris Moi, écoutez, euh, franchement, un tapis de souris comme ça, un tapis de souris comme ça, moi, ça me suffirait. Cette, euh, cette, euh, cette largeur, là, ça me suffirait sans problème. On va faire un sondage. On va faire un sondage. Je vais laisser parler le chat. Comme ça, on ne pourra pas dire gna 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 Alors, ce tapis de souris est une atteinte à la dignité humaine ou euh, suffisant Comme ça, la prochaine fois que je vais à Denis, il ne pourra pas me dire tu vas condamner injustement. Allez-y. Ah oui, bon, ça va être une atteinte à la dignité humaine qui va très nettement se. très nettement se détacher. Euh... Merci Lily 22. Un pouce souffre frérot frérot, merci pour le soutien. Ça s'est bien passé le bureau de Jean-Baptiste Chaud euh, demande Savina. Euh, Qu'est-ce qu'on lui a mis, Jean-Baptiste Chaud Je crois qu'on lui a mis un. Euh, bah tiens, c'est marqué, c'est Moa qui met les résumés gentiment. Euh, Jean Batichaud, il a un rappel à la loi. Bon, ok, c'est une atteinte à la dignité humaine. Je mets l'atteinte à la dignité humaine, mais vous vous débrouillerez avec Denis quand il fera ses streams. Si Denis refuse de faire des streams en disant « Je parle pas à des cons qui critiquent mon tapis de souris », vous voyez ça avec lui, ce n'est plus de mon sort. Euh... Bon, les bureaux sont bien, la rédaction est convenable. Qu'est-ce qu'on lui met à Denis Alors on va dire favoritisme, il y avait plein de figurines et tout. Eh bien écoutez voilà. Je ne peux pas envoyer Denis en prison. Denis en prison. Non mais il tient 10 minutes. C'est pour sa sécurité. Denis ne tiendrait pas en prison. Il est trop gentil. Il a trop le cœur sur la main, il donnerait, euh, il, il donnerait euh, sa couette aux gens, euh, il essaierait de faire ami-ami avec, euh, avec les pires gredins burologiques euh, que j'ai condamnés euh, ces dernières semaines. Euh, non, 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 non. Je n'envoie pas Denis en prison. Euh, non, je ne peux pas. Voilà, je suis désolé. Il tendrait l'autre joue, exactement. Denis il arrive en prison, non, il serait bouffé par les autres condamnés. Il essaierait de, euh, de leur vendre des pages de pub, en fait, ça se passerait mal et tout. Non, non, je ne peux pas lui faire ça. Je peux pas lui faire ça. Je, de, Denis n'ira pas en prison. Denis est relaxé. Et je lui fais un pouce Merci, Denis, de nous avoir envoyé ton bureau à la rédaction. C'est très gentil. Et on va terminer avec un dernier bureau. Oui, il y a des godasses à droite. Bah, très bien. En plus, c'est des jolis petits sneakers. Oui, logo Manix. Non, pas juste corrompu euh, HQ88. Quelle indignité. Non, non. J'ai des sentiments. Voilà. J'ai des sentiments. Je travaille avec Denis depuis de nombreuses années. Euh, autant Yvan, ça ne m'aurait pas dérangé. Tiens, newfle, là. Autant Denis, non. Je ne briserai pas la vie de Denis, je m'y refuse. Allez, dernier bureau. Ah, une autre ambiance. Effectivement, c'est le bureau de À quoi est-ce que vous l'avez vu Au fait qu'il y ait 14 cartes graphiques dans, un seul, dans une seule photo Probablement. Alors, c'est le bureau de Ni. Et ouais. Oni, Dieu sait si j'ai de l'affection pour lui. Hein. Mais. Euh... Ah non, là, il y a tout, hein. Il y a tout, il y a... y a tout, il y a... y a tout. Il y a la totale. C'est... Là, euh... on fout le feu. On fout le feu, je le dis. Je suis désolé, j'arrive chez Oli... Oni me dit « Ah oh bah tiens, euh, viens dîner à la maison demain. » Je dis « Bah écoute, euh, ah, avec plaisir, j'arrive à la... »« Salut Oni !» Alors il me présente sa famille, je sais pas trop sa famille, tout ça. Euh, « Bonjour euh, Madame Oni. Euh, » Et euh, « Ah bah tiens, viens, je te montre mon bureau. »« Ah oh, oui, oui, oui montre-moi ton bureau. » J'arrive là-dessus, je lui dis « Attends, bouge pas, je retourne à la voiture, je prends le bidon de kérosène, j'en mets partout, je craque l'allumette, on n'en parle plus, c'est fini. » Alors bien sûr, il y a probablement une 3090 qui traîne là-dedans. Eh bien, on la passe en perte et profit, mais là, c'est pas possible. C'est pas un bureau, c'est un. c'est un garage de voitures d'occasion. Ah, ça raconte une histoire, euh, Bololo 64 ça on est d'accord. Hein. Mais euh, non, c'est le. Bon, alors. Allons-y progressivement. Les boîtes ici. Alors oui, c'est son travail. Oui, il reçoit sûrement 80 boîtes comme ça euh, par, par trimestre pour, euh, pour faire Canard PC. Oui, je suis d'accord. Mais il n'empêche que ça pourrait être un peu plus... Cl... Cela dit, à la rédaction, c'est pareil. Hein. À la rédaction, ils ont un, ils ont un, un truc de benchmark et tout. Ça, ça... Moi, je n'aurais pas pu faire Jean-Estard parce que pour gérer la logistique, je serais devenu fou. Ils reçoivent des cartons sur des cartons sur des cartons sur des cartons. Et puis il faut les brancher. Du coup, voilà, ils sont obligés de faire des installations comme ça, avec des cartes mères qui traînent partout. Bon. Donc toute la partie euh, garage, c'est une horreur. La partie figurine, euh, alors on verra ça en zoom tout à l'heure. Euh, le, le PC qui est ouvert, j'ai l'impression. Les câbles, le tapis. Ah, le tapis. Euh... Je pense que le Covid-19 vient du tapis. Hein. Je pense que la, la, la souche, on peut, la, le, le patient zéro, ça doit être. C'est qu'il est passé sur le tapis. Ça, c'est pas possible. Moi, j'adore ce bureau, je m'y sens chez moi, dit euh, Neo X Genesis. L'humanité est belle dans sa diversité. Alors, les casques. On me demande de compter les casques. 1, 2, 3. J'en vois que trois, c'est presque, presque devenu un standard aujourd'hui. Hein. Trois casques, euh, on a vu pire, on a vu cinq ou six. Hein. C'est magnifique ce bureau, le paradis dit Je suis auric. Paradis du bordel. C'est de la WD-40 à côté de sa bouteille d'eau à droite. Euh, sa bouteille d'eau à droite, oui, c'est la WD-40, c'est de la, la graisse. Oh, il graisse son clavier, il graisse son clavier mécanique. Et alors pour rajouter euh, l'insulte à l'insulte, il y a un clavier Mac. C'est-à-dire, il m'a fait la photo en me disant... Ah va... oh, oui, il y a un Mac, évidemment. Je suis sûr qu'il a poubelle sur l'écran. Elle doit être quelque part. Elle est là, je la sens. Ah, oh, il y a le fond d'écran bureau Windows de base. Il y a tout. C'est le best-of, c'est la compile. Il m'a tout fait. Il y a la barre de recherche. Ah, il ne manque rien. Il ne manque rien. Oh là là, regardez la ZAB, la zone d'administration bordélique. Oh, Regardez-moi cette ZAB ici, là. Oh, oh là là, alors ça je peux vous dire c'est un cahier, il n'y a pas touché depuis 1992. Il a la Kesac, oui. Donc, vous aurez appris des choses sur la rédaction. Yvan, il est sans p. Euh, Sébom et Badois, Oni, il est Kézak. On a, on a, chacun notre petite marque euh, de minéral. Oh, le, le, là, le, le. Oh là 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 là. Oh là, la poussière. Regardez la poussière sur la boîte de Radéon. Il a, il a deux, deux, deux trucs pour ces jeux d'arcade là. Oh là là là, regardez! Je crois que j'ai vu une taupe passer. Je vous jure, je, je, en fait, ce c'est pas, pas une photo, c'est un gif animé. Je vous jure que j'ai vu une taupe passer là. Il y a, y, a, y a un terrier, il y a le terrier d'une bête ici. Il y a une famille de taupes, ou des marmottes, je sais pas. Le bureau est dans son jus, dit-il, le NUCFR. Ah ouais, il est. Il est dans son jus là, il est dans sa sauce. Il est dans son marigot. Oh là 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 là, là regardez ça là. Avec la. la... Et regardez, vous avez la petite figurine au-dessus qui surveille, comme, comme, comme pour me provoquer. Oh, quel... Regardez, là, il a, il a un truc ici. Oh, la, la poussière La poussière Et là, il y a un truc qui est cassé, mais il ne l'a pas remis droit, et du coup, il y a... Oh, oh c'est pas oh, possible oh.

Oh, le, le tapis, il est. Ah, il est magique, le tapis. Hein. Vue vu microscopique du tapis. Regardez. Il y a le Covid-19, il est là. <laughs> La relax pour Audi, tiens. Oui, bien sûr. Quelle indignité. La relax pour Audi. Faisons un sondage. Voyons voir si c'est juste une minorité vocale ou si c'est vraiment le sentiment du tribunal. Allez-y. C'est le dernier bureau. Je suis prêt à me plier euh, au cri de la foule. Voilà je dis aux gendarmes de baisser leurs fusils, ne tirez pas dans la foule pour une fois. Voilà. Pratiquons ce qu'on appelle la justice populaire. Allez-y. Ah Alors, vous avez tenté de faire un 50-50, mais il y a quand même des gens qui se sont dit « Non, on va, on va être sérieux. » Mais c'est très serré, hein. Pour l'instant, 200 pour le oui, 220 pour le non. Une médiatique, dit Yukimizake. Franchement, ce bureau, ça va, dit Campinou. Mais, mais vous avez déjà regardé l'émission vous, vous découvrez Bon, je suis rassuré, quand même. Je suis rassuré parce qu'on se dirige vers une majorité très faible, 53%, dire un score d'élection présidentielle, de second tour. Mais non, ça va pas ou quoi. Ok, merci. Alors, maintenant que j'ai l'aval de la foule, vous êtes tous des hyènes d'ailleurs, vous êtes vraiment... Des... Ce que vous voulez voir, c'est du sang, vous voulez briser des vies. Oni, qui est, est quelqu'un d'adorable, c'est la, la bonté incarnée, Oni. Qu'est-ce que vous voulez Vous voulez que je l'envoie en prison. Eh bien, écoutez, je vais l'envoyer en prison. Figurine, ouais, l'alignement, ça va pas. Les lèvres, non, ça va. Sanitaire, évidemment. Genou, on l'a vu. Euh... Papier peint. Ah, oh, il y a l'air d'avoir un, 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 du papier peint un peu déchiré, là. Hop, là. Maltraitance de bureau. Oui, ce bureau, il est maltraité, c'est une évidence. La tour, elle est ouverte. Elle est ouverte, la tour, ça va pas. J'aurais tant aimé que ce, ce tribunal édition All-Star se termine autrement, mais malheureusement, euh, le public, moi-même et quelque part Oni en a décidé ainsi, parce que c'est probablement de la provocation. Mais cette sentence est irrévocable. C'est le ouf pour Oni. Voilà. C'est un appel à l'aide, Dieu vomit, je, je suis d'accord. Je pense que ce qu'Oni a voulu nous dire, c'est j'en peux plus de tester vos cartes graphiques à la con. Euh, par pitié, faites-moi tester autre chose. Joue contre Oni, un jeu de baston, tu verras s'il est gentil. Ah bah oui, non, mais ça, il est impitoyable sur ses, sur ses Street Fighter et ses King of Fighter et ces trucs comme ça. Mais sinon, dans la vraie vie, il est, il est tout à fait. C'est Noël, merde, DJ166. Hein, euh, et ben bah voilà, on va s'arrêter là. On a fait 11 bureaux. Euh, 3 heures de stream. On va s'arrêter là. De toute façon, 3 heures de stream. Je sais qu'en général, euh, c'est là où les gens commencent à être fatigués. 11 heures, il faut partir. Euh, je vous remercie d'avoir ass assisté euh, à cette édition All-Star du tribunal euh, des bureaux. Euh, ce qui m'a déçu, c'est que j'ai condamné des gens que j'aimais et j'ai relaxé des gens que je n'aimais pas. Bon, je ne vais pas citer les noms, mais bon, voilà, on les connaît. Euh, voilà, je une soirée douce amère pour moi, parce que vraiment, il y a des gens qui, humainement, méritaient de finir au Newf. Et puis euh, bah voilà, ils n'ont pas fini au Newf. Et, euh, et c'est vraiment triste. C'est vraiment dommage. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre euh, On fera peut-être un tribunal des bureaux entre Noël et le jour de l'an pour faire l'élection du Doty, l'élection du, Do du Desktop of the Year euh, et puis ensuite, on terminera la saison. Euh, il nous reste encore 120 bureaux, je crois, quelque chose comme ça. On terminera la saison en janvier en février, avant de laisser reposer un peu pour faire éventuellement une nouvelle saison euh, en 2022. Euh, je remercie tous les gens euh, qui ont participé au chat, tous ceux qui n'ont pas participé au chat, euh, tous ceux qui se sont abonnés, et qui ne sont pas abonnés. Je vous fais tous des pouces Je remercie euh, énormément tous les tous les modos. Alors, euh, je vais pas les citer parce que sinon, je vais en oublier, et puis ça va être un ça va être un drame. Euh... -y, les y et Modo, parlez que je vois votre petite. Votre petite je vois Moea, je vois Oli, évidemment. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme Modo ce soir euh, Je crois que j'en ai vu un autre aussi. Euh, voilà, Oli. Euh, bon, voilà. Enfin, je leur fais tous des pouces Aux frérots, aux frérotes qui ont, qui ont aidé à la modération euh, ce soir. Blob Marais, effectivement. Euh, Roto. Un pouce sur Roto. Talak, bah oui t'étais là, Talak, je t'ai pas beaucoup vu, c'est pas une race pas un reproche. Dieu vomi euh, qui était là aussi, merci encore une fois à tous les à tous les modos. Euh, pas de date pour le prochain stream parce que c'est les vacances qui vont arriver, c'est Noël, tout ça. Et à Noël, c'est important de passer du temps avec sa famille. Voilà, à Noël, il faut, il faut penser à arrêter les, les streams et puis passer du temps euh, avec sa petite famille. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis euh, eh bien, à bientôt. Passez de bonnes fêtes si on ne se revoit pas d'ici là. Ciao tout le monde.